Welcome. Ensuite, Mathieu Beau, qui est pensionnaire ici à la maison, pour le domaine de l'histoire de l'art du 4e au 15e siècle. Et il est aussi moniteur du programme OMCI, Ontologie spécialiste médiévale à l'image. Et une longue journée, parce qu'on va enchaîner ensuite sur la séance de son séminaire cet après-midi. Ses recherches portent sur la spatialité dans les images du 12e siècle, sur la sculpture monumentale d'un monument sacré à des notions de sainteté et de sacralité. Iconographe de la culture médiévale, il s'intéresse aussi à l'historiographie sur l'histoire de l'art et aux recherches sur l'art sacré à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour identifier les paradigmes de la discipline. Il vient de publier aux éditions de la Sorbonne à la collection Histoire ancienne et médiévale, le livre issu de sa thèse de doctorat, Ces rois mages venus d'Occident, l'offrande des mages dans les arts monumentaux de l'espace feudal. Et il intervient aujourd'hui dans le cadre de ces séminaires, justement sur le répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne de l'Occident, que l'île de François Pillon a construit manifestement en 1912 pour la bibliothèque de l'archéologie à la demande de Jacques Fissier et qui a été retrouvée, donc ça sera l'objet de notre séance, sous la forme de 9 carnets reliés d'un archive 47 de la bibliothèque de l'Énergie.
ensuite, on aura Charlotte Fuchet-Darmagnan, qui est chargée de la recherche au CNRS, affiliée au laboratoire d'études de genre et de sexualité, le LEX, au MR 38. Docteur Esparvela a soutenu une thèse sur les femmes artistes dans le milieu symboliste en France, qui a été récompensée du prix du Musée d'Orsay et publiée en 2015. Elle s'intéresse depuis aux interactions qui vont exister entre musées et genre, notamment en coordonnant un numéro de culture et musée dédié à la question, sur le 30 novembre 2017. Ses recherches portent actuellement sur les histoires de l'art en France, entre le 18e et le 20e siècle, et il va nous dire deux, trois choses qui, c'est de Louise de François Guillon, donc une lecture féministe de l'œuvre de Louise Guillon, historienne de l'art, de 1871 et 1841. Et pour terminer, notre dame de la maison, chargée d'études et de recherche à l'INHA, docteur en histoire et l'architecture à l'Université Parisien, Fabien-Sauveur. Sa thèse s'intéresse à la façon dont l'habitat ouvrier a été présenté en Europe à l'occasion d'expositions universelles et internationales durant la seconde moitié du 19e siècle. Alors, on comprend aussi les grands écarts qui font nos chargés d'études entre le monde médiéval, l'architecture contemporaine et les femmes à la bibliothèque. Dans le cadre de son contrat doctoral ici à l'INHA, elle est attachée au programme, que j'ai déjà glissé. Et depuis octobre 2020, elle a notamment eu l'occasion de réaliser des recherches sur plusieurs maîtrises à l'institution, ainsi que sous les traitements médiatiques de la bibliothèque de la pédagogie. Et un article à ce sujet apparaîtra d'ailleurs dans le prochain numéro de la revue Paris-Vert de l'INHA. Donc, on va commencer avec une présentation du fonds d'archives. Et ensuite, avec une parallèle avec l'index de Princeton, et puis on va un petit peu étudier le profil de Louise et François Fillon dans le contexte de la bibliothèque et du monde des historiens de l'art de l'époque. Et je laisse à Claire le plaisir de réguler les échanges. Merci du coup Hilaria et de façon générale les organisatrices du coup de ce séminaire de m'avoir invitée et de me permettre du coup de parler de Louise Lefrançois Pillon sur lequel j'avais un tout petit peu commencé à travailler à la fin de mon contrat à l'INHA. Du coup je commence. À la fin du mois de janvier 1912, paraît dans plusieurs périodiques aux lectorats très différents comme Le Gil Blas et la Revue Archéologique, un bref encart annonçant la mise à disposition d'un répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident au sein de la jeune bibliothèque d'art et d'archéologie. Je cite « La bibliothèque Jacques Doucet met à la disposition des travailleurs un nouvel ouvrage. Il s'agit du répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne de l'Occident, dressé sur fiche par Mademoiselle Louise Pillon. Les lecteurs trouveront dans ce nouveau répertoire, classé méthodiquement par ordre de sujet, un essai de groupement des ouvrages ou articles de revue écrits sur des questions d'iconographie en français, en allemand, en anglais et en italien. Ce répertoire, qui pourra être publié par la suite, sera tenu à jour et l'auteur accueillera avec reconnaissance toute communication de fiches nouvelles. À cette époque, la Bibliothèque d'art et d'archéologie a ouvert ses portes à un public spécialisé, sous réserve de recommandations et ou d'affiliations institutionnelles, depuis 1909. Rapidement, en quelques années, elle s'impose parmi les curieux et ou les professionnels du monde de l'art, parisiens ou non, français comme étrangers, comme une bibliothèque de référence. Elle acquiert notamment cette réputation en disposant d'un fonds documentaire extrêmement conséquent, développé par Jacques Doucet lui-même en tant que collectionneur d'abord, puis via l'aide de personnalités reconnues, historiens et historiennes de l'art comme archéologues, qui conseillent et cataloguent les documents à intégrer à la collection de la bibliothèque. Celle-ci met en outre à disposition des lecteurs et lectrices des outils innovants, comme le répertoire d'art et d'archéologie édité depuis 1910, qui indexe et recense les publications les plus récentes dans ces deux disciplines, une bibliographie au sujet de l'iconographie byzantine, donc développée par Oreste Tafrali et non Trafeli, comme c'est écrit, et le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident de Louise Lefrançois Pillon, enfin. Le répertoire, ou du moins la partie du répertoire qui a été retrouvée dans les archives de l'historienne de l'art qui sont conservées par la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, se compose de 1300 fiches. S'agit-il de son état complet et final ? Il est permis d'en douter, puisque Louise Lefrançois Pillon mentionne dans un article rétrospectif sur lequel je reviendrai, l'élaboration de 5000 fiches. S'agirait-il du coup de fiches en cours de rédaction, et auquel cas, où sont les fiches achevées, rendues accessibles au public à partir de 1912 ? Si aucun élément ne permet à l'heure actuelle de répondre à ces deux questions,
ce fragment conservé permet au moins de voir comment s'organise le répertoire. Rédigé de façon manuscrite, chaque fiche est consacrée à un motif iconographique. Donc ici, vous avez un exemple d'une des fiches. Chaque fiche est donc consacrée à un motif iconographique et recense les références bibliographiques où ce motif a été étudié ou représenté. Ces fiches sont numérotées et réparties ensuite en volumes. Des tables et des index sont en outre constituées à la fois par sujet, organisées thématiquement et par ordre alphabétique, par nom d'auteur et par nom de lieu, ce qui permet de multiples usages et modes d'interrogation du répertoire. Ce répertoire, extrêmement ambitieux donc, a été constitué par Mademoiselle Louise Pillon. Sans être complètement tombée dans l'oubli, en raison notamment de ses publications et d'une reconnaissance certaine qu'elle a obtenue de son vivant par ses pairs, Louise Pillon puis Lefrançois Pillon à partir de 1919 est une figure de l'histoire de l'art français du XXe siècle, néanmoins étonnamment méconnue. Son nom ne figure ainsi pas dans l'important dictionnaire des critiques des historiens de l'art dirigé par Philippe Sénéchal et Claire Barbillon et édité par l'INHA depuis 2000, et rares sont les médiévistes aujourd'hui à se souvenir encore de son nom. Les interventions de la séance d'aujourd'hui, sans prétendre à complètement résoudre le mystère Louise Lefrançois Pillon, et vous verrez qu'il est assez épais, vont toutefois tenter de saisir sa personnalité dans la diversité de ses activités d'historienne de l'art médiéval. Le but de ma propre communication sera de dresser la biographie de Louise Lefrançois Pillon et de contextualiser ainsi, en suivant le fil chronologique, les présentations qui vont émailler cette séance. Il me faut dès à présent, en fait, vous avertir de ce que vous ne trouverez pas ou peu dans cette tentative de restitution biographique. Aucune anecdote personnelle, aucune photo de famille ou d'amitié, aucune reconstitution de ce milieu de fréquentation. En effet, en dépit des archives conservées dans la bibliothèque de l'INHA, Louise Lefrançois Pillon reste une personnalité assez mystérieuse. Ce mystère doit certainement aux formes spécifiques prises par sa carrière et sa production, et aux conditions d'exercice d'une historienne de l'art dans la première moitié du XXe siècle, comme le montreront les interventions d'aujourd'hui. Mais il indique aussi, je crois, et je pense que mes collègues partagent mon avis, une personnalité non pas discrète en tant que telle, mais qui se caractérise par une grande humilité, une certaine pudeur, et surtout par une forte abnégation, dont le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident est, à mon sens, une manifestation assez évidente. Il en résulte alors, pour qui tente de retracer sa vie et son œuvre, d'indéniables difficultés et une certaine sécheresse dans la biographie, malheureusement assez peu incarnée. Commençons par le commencement. Avec son jumeau qui reçoit un nom parfaitement identique au sien, Louis-François-Paul, Louise-Françoise-Paul Pillon, née le 8 août 1871 dans l'Eure, aux Andelys. Son père, Paul Pillon, est alors vérificateur des enregistrements des domaines dans le village. Sa mère, Louise-Anne, née Rouette de Montforan, est sans emploi, mais issue d'une famille de notables locaux, puisque son père, Max Rouguette de Montforan, est ancien président de la cour royale de Cayenne. De l'enfance puis de la jeunesse de Louise Pillon ne subsiste aucune trace. On ne sait quelle scolarité elle a suivie, quelles études ou activités professionnelles elle entreprend. Son discours d'intégration à l'Académie de Rouen, puis la nécrologie que lui consacre la Société Savante, nous apprend simplement qu'elle passe son enfance à Rouen, puis à Vire et à Argenton, suivant le père au gré de ses fonctions. À partir de 1896 néanmoins, elle commence à publier des textes sous le pseudonyme de François Dubaigle dans des périodiques d'obédience chrétienne comme La Croix des Ardennes ou Féminisme chrétien. Si sa production n'est pas alors celle d'une historienne de l'art, elle est déjà révélatrice de son attention pour les formes et de l'importance qu'occupe sa foi catholique dans son travail. En 1900, alors âgée de 29 ans, Louise Pillon emménage à Paris auprès de son père. Elle s'inscrit à l'école du Louvre et 4 ans plus tard, elle en sort en étant la première femme française diplômée d'une thèse d'histoire de l'art de l'école du Louvre. Sa thèse, portant sur le décor sculpté de la cathédrale de Rouen, est soutenue devant un jury prestigieux présidé par Théophile Homol, alors directeur des musées nationaux, et un jury qui est composé entre autres d'André Michel et de Georges Lafenestre, qui sont tous deux conservateurs au musée du Louvre et aussi professeurs dans l'école du même nom. L'événement, mais j'imagine que Charlotte Fouché-Zermanian y reviendra, ne passe pas inaperçu. Sa soutenance de thèse est notamment annoncée dans des journaux aussi importants que le Journal des débats ou le Figaro. Sa thèse en elle-même est publiée en 1907 par Apicar et fils, spécialisée dans les monographies d'histoire de l'art et d'archéologie, et qui édite notamment des auteurs comme Louis Courageau, qui est médiéviste conservateur au Musée du Louvre et cofondateur de l'École du Louvre, Théophile Homol, dont je vous ai déjà parlé, ou Maxime Collignon, qui est un archéologue antiquisant, professeur à la Faculté des Lettres de Paris et académicien depuis 1894, et édite aussi des publications de sociétés savantes, comme la Société des Antiquaires de Picardie ou l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Sa monographie est en outre rapidement reconnue par des pairs, comme en témoignent les recensions toutes élogieuses à son égard de Jean Larand dans la Revue archéologique et de Michel André dans le Bulletin monumental, et comme le confirme la médaille qu'elle reçoit de la part de l'Institut de France en 1908. Son travail d'historienne de l'art médiéval, plus globalement, rencontre aussi un certain retentissement et un intérêt certain auprès de ses pairs. Entre 1903 et 1913, elle publie ainsi près de 30 articles dans des revues particulièrement prestigieuses et reconnues par les professionnels de l'art et de l'histoire de l'art, telles que la Gazette des Beaux-Arts, la Revue de l'Art Ancien et Moderne, la Revue Archéologique ou encore la Chronique des Arts et de la Curiosité. En 1912, elle publie en outre une deuxième monographie consacrée aux sculpteurs français du XIIIe siècle, publiée cette fois-ci par Plomb, et qui vaut de nouveau à Louise Pillon les éloges de ses pairs et une récompense, le prix Charles Blanc, décerné chaque année à un travail d'histoire de l'art et dont elle est la première femme récipiendaire. À ses débuts comme historienne de l'art, Louise Pillon bénéficie donc manifestement d'une reconnaissance unanime de la part de ses pairs. Parallèlement à cet important travail de publication, Louise Pillon propose, dès sa thèse obtenue, des cours d'histoire de l'art pour jeunes filles et les poursuit jusqu'au moins 1912. Cette activité d'enseignement, effectuée de façon privée, si elle rend compte de l'absence d'affiliation institutionnelle et peut donc être lue comme un signe d'échec ou du moins de difficulté à intégrer les institutions officielles et en particulier l'université pour faire carrière en tant qu'historienne de l'art, témoigne d'ores et déjà de l'attachement de Louise Pillon à la transmission et à la diffusion des connaissances. C'est dans ce contexte que s'inscrit son travail pour le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident pour la Bibliothèque d'art et d'archéologie, je cite. Il y a une vingtaine d'années, je me vis un jour confier la tâche de rédiger un répertoire bibliographique des travaux sur l'histoire de l'art du Moyen-Âge occidental, répertoire qui put être en même temps, comme le catalogue, et d'abord le plan d'acquisition de la bibliothèque idéale. Fidèle à leur méthode et aux ambitions de la bibliothèque d'art et d'archéologie, Jacques Doucet et son bibliothécaire René Jean se seraient ainsi associés à une historienne de l'art, certes jeune, mais reconnue par ses pairs. D'ailleurs, ce sont précisément sa grande capacité de travail, son esprit pratique et son souci de rendre ses résultats à la fois exploitables et utiles qui ont été remarqués et salués par ceux-ci, ce qui la rend donc d'autant plus apte à effectuer ce grand travail. Vous ayant du coup présenté la manière dont le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident s'inscrit dans la carrière et la production de Louise Pillon, je laisse maintenant la parole à Mathieu Beau pour tenter d'en reconstituer plus globalement l'histoire. Bien, bonjour à tous, merci pour votre présence à ce séminaire. Et donc moi je vais plutôt compléter ce que vient de dire Claire et vous présenter, il vous a été présenté très rapidement, mais je vais présenter plus précisément ce qu'est ce répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne de l'Occident tel qu'il est nommé dans les cahiers que nous avons retrouvés dans la boîte numéro 1 de l'archive 47. Alors justement, dans le cadre de ce projet autour de la bibliothèque d'art et d'archéologie de Jacques Doucet, Savoir, Corpus Savoir et Réseau, il m'a été demandé justement au tout début par Pascal Cugy, qui était parmi nous jusqu'en juillet dernier, puis par Ilaria Andreoli, qui a repris ce projet, de regarder les archives de cette historienne de l'art que, je le confesse, je ne connaissais pas, et plus particulièrement de jeter un œil à cette fameuse boîte numéro 1, de l'archive 47 qui contient 9 carnets de fiches amovibles qui constituent ce fameux répertoire que je vous présente aujourd'hui. Je vous présente simplement aujourd'hui un premier résultat de ce qui m'a semblé intéressant de dire à ce propos, bien sûr, et ça demanderait sur de nombreux points, je vais y revenir, une investigation un peu plus avancée. Alors, pour tenter d'identifier cet objet, je présenterai d'abord le document les documents que nous ont fournis Claire, justement, et Lucie Proin pour positionner ce répertoire dans la chronologie de sa construction. Je tenterai ensuite vraiment de vous présenter la conception du répertoire qui n'est pas tout à fait simple au premier abord. Et je tenterai enfin de chercher les sources d'inspiration et les éléments qui nous permettrait de repositionner cet instrument non seulement dans la carrière de Louise Lefrançois Pillon, dans la construction de la bibliothèque, et peut-être même dans un tournant de l'histoire de l'art qu'on pourrait identifier à ce moment-là.
Je dirais pour commencer que ce répertoire avait, semble-t-il, disparu. Il a été retrouvé assez récemment dans les archives. Il s'agit d'un répertoire voulu comme un instrument de recherche, et j'insiste là-dessus, c'est assez important, à l'usage du travailleur, ce qui a été mentionné, c'est comme ça que l'on nomme les lecteurs de la bibliothèque Jacques Doucet, des travailleurs, comme le dit Louise Lefrançois Pillion, intéressés par l'iconographie de l'art chrétien médiéval, et qui étaient manifestement en usage dans la bibliothèque d'art et d'archéologie. Et donc il est apparu dans toute son originalité, il a fallu un petit peu décrypter cet objet étrange. Plusieurs documents nous permettent de pister cet instrument. Le premier article paru dans le Gil Blas, qu'a mentionné Claire Dupin avant moi, qui date du 21 janvier 1912, et qui, en plus de ce qui a été cité auparavant, nous donne une première précision sur la structure de ce répertoire. Donc à partir de ce paragraphe ici, voici les principales divisions du plan adopté. Il parle ici des divisions iconographiques du répertoire. Traité et généralité, personne divine, Vierge Marie, ange, Ancien Testament et Évangile, saint, sacrement, personnification, etc., etc. Donc une structure une structure d'ensemble de l'iconographie chrétienne qui permettrait de classer les motifs qui seront accessibles au lecteur. Alors, dans cet premier article, nous retrouvons le répertoire avec l'intitulé qui est le sien dans l'archive que nous avons retrouvé. Répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne de l'Occident, et donc celui que j'ai consulté. Il est présenté comme un outil au début bibliographique en complément de la bibliographie d'études byzantines que Claire a mentionné, donc qui est orchestrée par Oreste Tafrali et aidée par Gabriel Millet et Charles Diel à l'époque. On retrouve cette hiérarchie thématique du répertoire, qui est bien celle, plus ou moins, que j'ai consultée, et l'encadré nous apprend qu'il aurait pour vocation à être publié. La deuxième source, c'est le Journal de la Liberté, donc la même année, mais 6 mois plus tard, en juin, où il est fait mention du répertoire. L'article est beaucoup plus développé, il décrit l'organisation de la bibliothèque en différentes salles et mentionne l'existence d'une section entière qui est destinée à l'art chrétien des origines à la fin du Moyen-Âge, et l'on peut penser que ce répertoire justement était accessible dans cette section-là, et il était destiné à la consultation dans cette salle. Puis, l'article explique également que la bibliothèque est aussi un lieu d'expérimentation et de production d'outils. Il nous y dit « La bibliothèque d'art et d'archéologie est le centre, si l'on peut ainsi dire, de tout un système de recherche et de publication pour faciliter les études de l'art en France. » Et il mentionne des ouvrages de très amples, tels que les bronzes grecs de la collection Fouquet au Caire, les terres cuites de la collection Fouquet, le dictionnaire des ébénistes, et c'est dans cette liste d'outils qu'il va mentionner le répertoire en nous disant « Mademoiselle Louise Pillion, diplômée de l'école du Louvre, poursuit les recherches minutieuses sur la bibliographie des manuscrits à enluminure et à miniature du Moyen-Âge. » Premier point à noter, la description change un peu. Ce répertoire s'inscrit dans le cadre d'une production d'outils par la bibliothèque elle-même. La bibliothèque publie une revue trimestrielle adressée gratuitement à tous les musées, à toutes les bibliothèques, à toutes les académies, à tous les corps savants, à toutes les universités du monde entier. Donc on est dans une optique de production d'outils de la bibliothèque. Et vous notez qu'il y a une sorte de changement de ton dans la description de l'objet. On est passé d'un répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne d'Occident à une bibliographie des manuscrits en enluminure et à miniature du Moyen-Âge. Et c'est là qu'on commence, on en a beaucoup discuté, on commence à perdre un peu la trace de la représentation que nous pouvons avoir de cet objet. La troisième source est une conférence, plutôt un brouillon de conférence, un projet de conférence qui n'a manifestement jamais été prononcé, qui était prévu pour l'Académie de France à Rome en octobre de 1912, écrite par René Jean, alors conservateur de la bibliothèque, et la bibliothèque qui est à ce moment rue Spontini. La communication est intéressante car elle décrit la bibliothèque moins comme un fonds documentaire que comme un instrument de recherche, encore une fois, et il mentionne le répertoire en ses propos. Il nous dit un répertoire iconographique des sujets représentés dans les miniatures des manuscrits est préparé en ce moment par les soins de Mademoiselle Louise Pillion. C'est là une œuvre de longue haleine qui pourra s'échelonner sur de nombreuses années, mais dont les résultats sont au jour à la disposition de tous.
Donc, dans ces trois mentions que je viens de vous exposer, il est possible de déduire que le répertoire mentionné dans la première source est déjà à disposition du lecteur à la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est rue Spontini, et avant son déménagement, et on peut penser qu'il est en accès libre dans la salle consacrée à l'art chrétien des origines à la fin du Moyen-Âge. Les choses se brouillent dans le texte que Claire a mentionné, qui existe en fait en deux versions. La première, c'est en fait une conférence qu'elle a prononcée et qui a été publiée dans les actes de la Société de l'Histoire de l'Art Français en 1921, sous forme d'article, et article qui est repris mot pour mot, je crois, dans le bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie en 1932. Et c'est là qu'on commence à avoir un problème, parce que elle explique bien que 20 ans auparavant, elle a commencé à travailler sur ce répertoire, donc en 1912, et dans la perspective de Jacques Doucet qui voulait créer sa bibliothèque et les outils qui vont avec. Et elle explique qu'en opérant un catalogue organisé des manuscrits, elle a créé des fiches qui correspondaient à la hiérarchie suivante. 1. Nom de l'auteur des travaux sur le manuscrit, en référence bibliographique donc. 2. Titre des manuscrits étudiés ou reproduits. Et 3. Par nom de bibliothèque ou de collection. Et elle arrive à la conclusion que cette tâche d'un référencement bibliographique des manuscrits est une tâche vaine, puisque chaque spécialiste arrivera à se créer le répertoire dont il a besoin par lui-même. Elle pense alors qu'un répertoire bibliographique serait utile, mais qu'un instrument qui puisse mener le chercheur vers une image que contient le manuscrit et qui aurait été publié serait salutaire. Elle explique... Mais j'aperçus clairement que j'aurais rendu un signalé service si je pouvais guider jusqu'à la reproduction précise de telle page, de tel manuscrit, cette reproduction, fût-elle isolée dans un article de revue, soit le spécialiste travaillant forcément, dans le cas le plus favorable, loin d'une partie ou même des originaux, soit le simple étudiant débutant dans la carrière ou l'historien d'art pour qui la peinture des manuscrits est une si précieuse source de documents. Et elle précise également que dans sa mise en œuvre, en 18 mois environ, travaillant une moyenne de 2 heures par jour, j'ai réuni et classé, chose presque aussi longue, à peu près 5000 fiches. Ce qui fait aujourd'hui rêver. Donc, elle nous explique qu'elle a fait un instrument qui a produit une fiche bibliographique sur le manuscrit, mais qui a produit une seconde fiche iconographique pour indexer cette fois les thèmes des enluminures, les thèmes qu'elle nomme plutôt des types iconographiques, ça c'est plutôt son école de pensée à elle, qu'il contient lorsqu'elles sont reproduites dans des références disponibles dans la bibliothèque, avec quelques annotations sur les particularités et les comparatifs. Donc une fiche pour l'objet manuscrit, une fiche pour la dissection de ce qui se trouve dans le manuscrit. Et c'est à ça que sert le répertoire. Le répertoire sert à mener le lecteur vers des images, des motifs dont on trouvera les reproductions dans la bibliothèque elle-même. Sauf que ce n'est pas le répertoire que nous avons vu. Ce répertoire n'a pas 5000 fiches, il en a 1340 et il n'est pas dédié qu'aux simples manuscrits. Il est consacré à de nombreux supports, que ce soit la sculpture de sarcophages, les mosaïques, peintures murales, objets et entre autres les manuscrits. Donc voici le répertoire que j'ai consulté. Ce répertoire donc est bien intitulé « Répertoire des travaux concernant l'iconographie chrétienne de l'Occident », celui qui était mentionné en 1912 dans le Gil Blas. Il contient environ 1500 fiches au total. Il est composé de 8 carnets d'index de fiches indexées, auxquels s'ajoute un 9e carnet de présentation de l'outil. Elles sont en relié avec ce qui semble être un tout nouveau procédé de reliure électrique, ce qui nous a fait un peu nous demander qu'était ce procédé, ce qui est en fait un procédure de reliure à pince qui permet de garder ensemble toutes les fiches et si besoin d'en ajouter de nouvelles. Ces carnets sont au format quattro. Les 8 carnets que j'ai mentionnés, qui sont vraiment l'outil de travail en soi, contiennent en tout 1344 fiches numérotées sur des thèmes iconographiques, sans compter les fiches que contient le premier carnet de présentation. Les carnets sont pourvus d'une cote sur la tranche, et la tranche semble usée, ce qui pourrait confirmer que l'outil était bien en accès libre dans la salle de la bibliothèque. Comment cela fonctionne ?
Dans les 8 carnets qui contiennent des fiches numérotées de 1 à 1340, nous avons des fiches qui sont intitulées par thème iconographique ou motif iconographique, comme par exemple celle-ci, sur le poisson. Sur cette fiche, qui est la fiche numéro 150, qui porte sur le poisson, nous avons une référence bibliographique de Fleury, en fait Henri de Fleury, qui nous renvoie à cette référence bibliographique, Lettre sur un vase à emblème du poisson, etc., qui a été publiée dans le bulletin de la Société archéologique, page 237. Si nous allons voir cette référence, en effet, dans cet article qui nous apprend beaucoup de choses sur le poisson, nous avons cette reproduction, et elle ajoute en bas de la fiche, ici, une autre reproduction possible que l'on trouvera dans la revue de l'art chrétien 1887, je suis allé voir, et la reproduction y est en effet. Donc peut-être là qu'il fallait pallier à une référence bibliographique qui n'était pas à la bibliothèque, et elle en a trouvé une qu'on pouvait trouver à la bibliothèque. Ce répertoire ne renvoie pas seulement à des reproductions. Ici, nous avons sur le thème du bon pasteur un renvoi à René Grousset, Le bon pasteur et les scènes pastorales dans la sculpture funéraire des chrétiens, qui est paru dans le mélange d'archéologie et d'histoire à Rome en 1887. Je suis allé voir cette référence. Il n'y a pas de reproduction, mais c'est un article de synthèse sur ce que l'on peut savoir du bon pasteur avec plusieurs références qu'on pourra retrouver par ailleurs, plusieurs objets qu'on pourra retrouver par ailleurs. Donc vous voyez un objet un petit peu hybride qui prend conscience que le lecteur a non seulement besoin de s'informer sur un sujet et besoin de trouver des images facilement. Autre chose, mais là je n'ai pas pu vous mettre d'exemple, c'est que si nous avons une image qui se trouve, un motif qui se trouve dans une enluminure de manuscrit et que ce manuscrit est conservé à l'ABN, il y a la cote de l'ABN ajoutée au crayon en bas à droite. Si nous avons une référence bibliographique majeure qui permet de faire le tour d'un sujet et que cet ouvrage est conservé à la bibliothèque, il semble, mais on n'est pas tout à fait sûr, qu'il y a la cote de l'ouvrage dans la bibliothèque en bas à droite. Mais je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre que cette cote que l'on trouve là. Le carnet de présentation explique au lecteur ce qu'est cet objet et comment il fonctionne. Et il contient d'abord une introduction manuscrite d'environ 10 pages, je ne me souviens plus, 10 pages, oui, et qui nous dit cela. Il peut être utile d'indiquer aux travailleurs que ce qu'ils trouveront dans ce répertoire classé méthodiquement sous des clés iconographiques n'est pas le dépouillement des monuments, un travaux qui demanderait des équipes d'ouvriers bien disciplinés et nombreux dans chaque pays, qui a été le travail de l'index, mais seulement un essai de dépouillement de la littérature du sujet. Mais ce que le répertoire présent est spécialement destiné à fournir aux travailleurs, c'est, je le répète, et je le répète moi-même, l'indication des travaux consacrés à des motifs iconographiques, à la Trinité par exemple, au baptême de Jésus, les arts libéraux, la sirène. Il leur montrera dans la mesure où il remplit les intentions de son auteur, où en sont tel ou tel point des études d'ensemble. Il réunira surtout pour eux les notes de détail éparses dans d'innombrables périodiques. Ce volume d'introduction, c'est le plus important, hein. Il a trois grandes parties, je vous ai mis un échantillon de chaque partie. Il contient 7 pages de table par ordre des matières ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc la page à gauche, c'est l'arborescence, c'est vraiment la courroie de distribution de l'outil. C'est l'arborescence qui permet de conduire le lecteur vers ce qu'il cherche. Et c'est sur ça que je vais revenir dessus plus spécifiquement, c'est ça qui m'intéresse. Donc 7 pages de table par ordre des matières. Ensuite, sur la page du milieu, nous avons 24 pages de table des matières par ordre alphabétique, où sont listés là tous les types iconographiques. Et il y en a environ 528, j'en ai compté 528 types iconographiques qui mènent à des fiches numérotées que je viens de présenter. Les fiches numérotées sont ajoutées dans la colonne de droite. Comme d'ailleurs dans l'arborescence générale, ce que vous avez dans la colonne de droite, ce sont les fiches numérotées qui sont dans les 8 carnets d'à côté. Et enfin, sur la page de droite, nous avons environ, toujours dans ce premier carnet, 120 fiches de références bibliographiques, des outils, en fait, qui sont classés en traités et travaux d'ensemble, traités et travaux sur l'art chrétien primitif, traités et travaux d'ensemble sur l'art du Moyen-Âge, de la Renaissance ou moderne. En fait, ce sont 120 fiches de références incontournables
de traités dont la publication comment, enfin, on a des traités qui datent du XVIe siècle, mais elle a travaillé sur des publications du XVIIIe siècle, et on va jusque à peu près 1910. Et en fait, j'insiste sur cette section-là, c'est vraiment une mine d'or bibliographique pour se rendre compte de l'univers intellectuel en cette fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, des auteurs qu'il est possible de consulter à ce moment-là. Et c'est vraiment une source, je pense, à exploiter. Moi, je vous les cite, on trouve Diderot, Rossi, Garrucci, Martini, Corbelet, Cronier, Grimoire de Saint-Laurent, Moons, Cross, Smith, Murray, Wilpert, etc. Moi, j'en connaissais à peu près 50%, mais 50% m'échappait complètement. Donc ça serait à exploiter, je pense. Le fonctionnement de l'index. Alors, je dois simplement dire un mot de l'arborescence, car c'est là qu'il m'a semblé intéressant d'appuyer. Mais avant cela, il faut penser à la mise en œuvre. Comment a procédé Louise Lefrançois Pillon pour ça? Je pense, je ne vois pas d'autre méthode. Elle a dû dépouiller, dans son travail de bibliographie, elle a dû dépouiller toutes les sources qui tombaient à sa disposition. Dans ces sources, elle les a relevées et elle a noté les illustrations en notant autant de thèmes iconographiques qu'elle trouvait, d'où les 528 thèmes iconographiques. Et à partir de ces 528 thèmes iconographiques, elle a pensé une structure. Le classement est arrivé après. Et ensuite, une fois le classement fait, elle a numéroté toutes les fiches des 8 carnets et elle a reporté cette numérotation dans l'arborescence. Ce qui semble, c'est ce classement méthodique et analytique est intéressant puisqu'il conçoit une hiérarchisation, un outil ouvert, une hiérarchie ouverte dans laquelle on pourrait ajouter autant de fiches qu'on veut. Et pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle a figé à un moment cet index en réunissant dans cette hiérarchie ouverte toutes les numéros de fiches. Et ce qui fait qu'en fait, il est très peu possible de rajouter de nouvelles fiches, puisque tous les numéros ont été ajoutés de manière manuscrite sur la colonne de droite, peut-être pour une publication. Alors, évidemment, il y a quelques repentirs, puisque par exemple, nous avons la fiche 1226 qui est devenue 1226A, 1226B, 1226C. Mais c'est quand même très limité pour ajouter de nouvelles choses. Dans cette structure, nous avons, et c'est là peut-être que je vais essayer d'attirer l'attention de ma collègue Isabelle Marchesin, puisqu'on avait vu ensemble que cette structure était assez intéressante. À gauche, on trouve des colonnes des entrées principales par grande thématique. Peut-être que je vais vous montrer... Non, on va rester là-dessus. Ici, avec une première entrée sur la bibliographie essentielle, les outils de travail. Ensuite, pour chaque entrée... nous avons réuni par accolade des sous-entrées. Par exemple, c'est plus clair ici, pour personne divine, qui est la deuxième entrée, nous avons une accolade, non, ici, pardon, personne divine, nous avons une accolade avec trois sous-entrées qui sont nimbe, trinité et Dieu le Père, que j'ai mis en orange. Et enfin, nous avons donc les numéros qui renvoient aux fiches numérotées. Ça fonctionne pareil pour la troisième clé d'entrée. Nous avons personne divine, en quelque sorte, suite, Dieu le Fils et Saint-Esprit. Et là, nous avons tout ce qui concerne, en fait, l'image de Dieu par le Christ. Dieu le Fils, symbole de Jésus-Christ, image de Jésus-Christ, histoire de Jésus-Christ, etc., etc. Donc, l'arborescence qui a été conçue ici repose sur un nombre très limité d'entrées, environ 18, et un nombre plus élevé, mais humainement gérable, de sous-entrées, j'en ai compté 98, et dans lesquelles, en terminaison, vont s'insérer les 528 motifs qui, eux, peuvent être traités en une à 10 fiches, c'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on arrive à 1340 fiches. Cette hiérarchie, elle peut sembler un petit peu étrange. Elle est mi-théologique, mi-attributive, mi-thématique. Et en fait, il faut penser que cette hiérarchie est comme une subdivision de catégories, et là je parle aux médiévistes, et ces catégories sont hiérarchisées, elles vont du divin vers le plus profane, une gradation qui va par ordre descendant. Nous allons de Dieu vers ce qu'il y a de plus humain, en passant par la nature, et puis après des catégories qui ont été ajoutées par nécessité, je pense. Études sur le mobilier, par exemple, études sur les grandes œuvres, monographies,
les grandes monographies ou alors les grandes œuvres, les œuvres incontournables. Donc là, on sort un peu de l'index théologique en quelque sorte et on arrive vraiment dans un index qui concerne ce que peut chercher un lecteur. Quelles sont les sources que nous pourrions trouver pour la conception d'un tel, d'un tel répertoire, enfin d'une telle hiérarchisation d'un répertoire? Alors, elle n'invente pas entièrement toute cette hiérarchie. À première vue, ce que j'ai pu comprendre, et même si je ne comprends pas tous les choix encore, je relèverai deux sources d'inspiration. La première, c'est un auteur qui, bizarrement, est peu connu, enfin, on ne le cite pas, on ne le replace pas autant qu'il le mériterait dans les études sur l'histoire de l'art sacré, c'est Adolphe Napoléon Diderot, qui a produit dans les années 1842 deux ouvrages majeurs, qui ont été, pour le plus connu, celui qui est le plus cité, c'est le Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, traduction d'un manuscrit byzantin. C'est la traduction d'un manuscrit byzantin du XVIIIe siècle qui était un manuel à l'usage des peintres des peintres byzantins. Et il l'a traduit, et c'est ce qui a ancré un peu dans l'idée, dans l'historiographie, que les artistes médiévaux devaient avoir de tels ouvrages ou de tels carnets de modèles pour véhiculer les traditions d'atelier. Mais le livre qui m'intéresse, c'est celui qui a été édité auparavant, en 1844 ou 43, j'ai un doute, je crois que c'est 44, qui est l'histoire de Dieu, tout simplement, iconographie chrétienne. Et donc ça, c'est une étude de comment décrypter l'art chrétien, ce qui vaudra à Diderot le surnom de Champollion de l'art chrétien, puisqu'il a donné énormément de clés de lecture pour lire cela. Ce qui est intéressant chez Diderot, c'est son assise théorique. Diderot explique qu'il est possible de comprendre le monde tel que le représentent les artistes chrétiens en comprenant la manière dont le christianisme médiéval classifie le monde de manière hiérarchique, dans l'ordre de l'histoire décrite dans les Écritures. C'est moi qui interprète, je ne cite pas Diderot. Ce modèle qu'utilisent les sens, et c'est le modèle qu'utilisent les sens, les encyclopédistes médiévaux, et qui pour Diderot est bien supérieur au modèle classificatoire, aléatoire, accumulatif et limité des encyclopédistes, des gens de lettres, des encyclopédies des gens de lettres. Et il ajoute qu'il faut avoir ce modèle en tête pour comprendre l'art chrétien, car c'est bien selon ce modèle classificatoire en catégories hiérarchisées que les médiévaux couvrent leur cathédrale. Et Diderot est un homme de son époque, et en France, il est obsédé par les cathédrales françaises, et il dit qu'elles sont décorées avec cette hiérarchie-là. Alors, l'histoire de Dieu de Diderot avait peut-être vocation à être beaucoup plus large, à être en plusieurs volumes. On ne garde que celui-ci, dans lequel il n'y a que deux grandes parties. Et ces deux grandes parties, c'est de la gloire et Dieu. Et dans ces sous-parties, nous retrouvons nimbe, auréole, gloire. Et dans la deuxième sous-partie, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et la Trinité. C'est en gros ce qu'a utilisé Louise Lefrançois Pillon pour ses deux premières entrées d'index. La deuxième source d'inspiration serait Émile Malle, bien sûr, qu'elle connaît très bien, puisque le livre d'Émile Malle, le premier livre d'Émile Malle, La religieuse du XIIIe siècle en France, publié en 1898, a eu un impact majeur sur tous ses contemporains, et Louise Lefrançois Pillon l'a lu, et beaucoup lu, pour sa propre thèse sur les portails latéraux de la cathédrale de Rouen, sur les reliefs des soubassements, qu'elle a soutenu en 1904 et publié en 1907. C'est intéressant parce que Émile Malle a, je dirais pas plagié, mais beaucoup utilisé Diderot. Et il a emprunté notamment à Diderot son assise théorique qui est d'utiliser les encyclopédistes médiévaux pour hiérarchiser l'étude de l'art chrétien. Et c'est ainsi qu'il a fait ce sommaire-là de son premier volume, le sommaire de la religion du XIIIe siècle, qui est partagé en miroir de la nature. En fait, il reprend là Vincent de Beauvais, le Speculum Maius, qu'utilisait Diderot, d'ailleurs, et il hiérarchise son livre en miroir. Miroir de la nature, miroir de la science, miroir moral, miroir historique, et dans les miroirs historiques, nous avons les écritures, la tradition légendaire, la géographie, et ce que les médiévaux savent de l'Antiquité, et enfin l'Apocalypse, la fin de l'histoire. Émile Malle est un lecteur attentif de Diderot et il a utilisé ça. Et si Louise Lefrançois Pillon n'utilise pas entièrement Émile Malle, elle reprend des choses. Par exemple, dans sa section Bible, dans sa section Saint,
histoire et légende, personnification et détail, symbolisme des animaux et des plantes. On sent qu'elle a lu Émile Malle parce qu'elle sait que dans cet index, elle doit réunir des choses qui ne concernent pas forcément les écritures, mais qui concernent le monde vécu par les artistes. Et c'est là qu'elle utilise Émile Malle, notamment ses travaux sur les vices et les vertus, ses travaux sur l'histoire des sciences, ses travaux sur les personnifications des sciences. Voilà, pour l'instant, j'irai vers ces deux sources d'orientation, mais il n'est vraiment pas exclu qu'elle ait remployé plusieurs choses que je n'ai pas encore identifiées et qu'elle ait surtout innové. Parce que c'est vraiment la dernière chose que je veux mentionner, c'est que Louise Lefrançois Pillon est sans doute la meilleure personne à ce moment-là pour construire un tel outil. On sait qu'elle a eu une méthodologie très structurée pour sa thèse de doctorat, dans lequel elle avait hiérarchisé absolument tous les médaillons des soubassements des portails latéraux de la cathédrale de Rouen, et il y en a beaucoup, et elle a identifié chaque médaillon. C'est un travail iconographique de fond, systématique, avec une méthodologie qu'elle a fondée uniquement pour ça. Comme je commence à prendre un peu trop de temps, voilà donc sa thèse. Un autre outil qu'on lui doit, et qui, pour le coup, j'ai découvert très tardivement, je ne savais pas que ça existait, mais je l'avoue, c'est ce volume d'index sur qu'elle a publié pour terminer l'histoire de l'art d'André Michel, intitulé « Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours » en 18 volumes. Et le 18e volume est un volume entier d'index qui est le produit des efforts uniques de Louise Lefrançois Pillon. C'est un index qu'elle mentionne dans le numéro 6 du bulletin de Saada, excellente, et elle mentionne cette encyclopédie comme une excellente bibliographie générale. Et dans cet index, sa particularité, c'est qu'elle a fait un index des noms des contributeurs, un index des noms de personnes, un index des noms de lieux, un index des noms des techniques aussi, ce qui est assez intéressant, et surtout un index des sujets. De tous les sujets qui sont traités dans les 17 volumes de l'Histoire de l'art d'André Michel, nous avons 70 pages d'index de sujets qui se présentent comme ça, donc en trois colonnes. C'est proprement colossal comme travail. Et là, elle a sans doute travaillé sur cet index en même temps qu'elle travaillait sur le répertoire, puisque l'Histoire de l'art d'André Michel a commencé à apparaître en 1905 et elle se finit en 1929. Donc elle a dû travailler les deux en même temps. La seule différence, elle a dû procéder pareil pour les deux, la seule différence c'est que pour le répertoire, elle a créé une hiérarchie de classification qui permet de conduire le lecteur vers ce qu'il cherche. Voilà, peut-être je m'arrêterai là pour pas dépasser sur le temps de parole de mes collègues. Mais voilà, je pense que l'outil est vraiment intéressant parce qu'il se place à la confluence non seulement de l'économie de la bibliothèque Jacques Doucet, puisqu'il y a cette bibliothèque qui se veut en quelque sorte un institut quelque part, qui veut créer des outils, des instruments. Ce répertoire est un instrument qui s'insère là-dedans. Et c'est aussi un instrument qui nous informe aussi sur la manière de travailler de Louise Lefrançois Pillon, sur sa carrière. Et enfin, c'est un instrument qui se pose à un carrefour dans l'histoire de l'art, dans ces années 1910-1912, où on a besoin vraiment d'avoir une histoire de l'art plus méthodique, plus analytique, qui sort des modèles, des théories simplement esthétiques, qui sort des études monographiques et qui se pense comme une discipline méthodique, positiviste, avec ses propres outils. Voilà, je vous remercie. Et je m'arrêterai là. Merci. Est-ce qu'il y a du coup des questions à la salle? Je fais la modération, donc je fais aussi le passage. D'accord. Et ben ça doit être ça. C'est un peu la question qu'on se pose, de se demander si le fichier qu'on a là, dans les archives de Louise, sont le fichier final ou pas. Mais c'est celui-là. Et vous reconnaissez l'écriture ou non?
Eh bien, il faudra qu'on regarde. Ça se trouve, on aura retrouvé le répertoire final. Ouais, ça serait intéressant parce que si c'est les mêmes, si on retrouve les mêmes manuscrits, c'est vraiment que du coup, le processus aurait vraiment été celui-ci. C'est simplement l'outil qui a été scindé en deux. Ou alors, c'est le travail du work in progress dans les archives. Ou sinon, oui. Bah, ça vient du dépouillement. Je pense, voilà, c'est pour ça que je disais que je pense qu'elle a travaillé de la même manière dans le volume d'index de l'histoire de l'art que pour le répertoire. Elle dépouille les acquisitions de la bibliothèque, elle donne un nombre limité des références qu'elle dépouille, et c'est là qu'elle fait la liste de ce qu'elle voit, des thèmes iconographiques. Oui, mais pourquoi le mot thème ? Elle utilise le plus souvent type dans sa thèse de doctorat, elle parle plutôt de type. Type. Mais il n'y a pas de nomenclature dans l'intitulé du thème. Si c'était le fond de votre question, c'est qu'elle ne norme pas le vocabulaire. Voilà. Si par exemple, pour mage par exemple, il n'y aura pas mage ou épiphanie, ça sera adoration des mages qui va être la dénomination la plus courante. Et elle écrit type adoration des mages. Dans sa thèse, oui, elle parle. Elle ne nomme pas ça. Elle oscille. Dans sa thèse, je sais qu'elle parle de type iconographique. Là, il lui arrive de parler de thème dans celui-ci, de sujet, et de sujet beaucoup. Et de sujets. D'accord. Donc là, c'est pas fixé. C'est pas fixé, exactement. Puis la deuxième question, là aussi, dans ce que vous avez montré, l'iconographie civile. Oui. L'adjectif civil. Oui. Il lui vient d'où ? Ça, je ne sais pas. Ça m'a surpris aussi. Parce que c'est à cette époque-là. C'est la question que je me suis... Et c'est pas ce qu'on va appeler plus tard une iconographie profane. C'est un peu autre chose. Et pareil, ça m'a surpris cette histoire d'iconographie civile. Je suis pas allé voir. J'ai pas eu le temps vraiment de dépouiller ça. Mais voilà, ça peut être des scènes de la vie quotidienne, des scènes d'artisanat, je crois. On s'oriente plutôt vers ce genre de choses. D'accord. Merci bien. Moi, j'ai une question qui est un peu décalée. Je suis en fait intrigué par le moment où elle commence à constituer ce répertoire et cette hiérarchie de thèmes. Je suis intrigué par le fait que c'est à peu près à ce moment-là, en fait, qu'en Europe, on introduit les classifications décimales. Je serais intéressé savoir s'il y a en fait des traces... du fait qu'elle aurait pris connaissance de la publication de la classification décimale universelle, dont une première édition date de 1905, et si vous avez essayé de croiser en fait les hiérarchies thématiques qu'elle fait pour l'histoire de l'art médiéval avec ce qui est repris de la classification décimale de Dewey dans la cellule, par exemple, en fait, s'il y a une forme de transfert en fait de connaissances entre les démarches autour d'une discipline, l'histoire de l'art, au sein d'une bibliothèque qui se constitue comme pionnière à ce moment-là, et en fait les grandes entreprises de classification qui traversent finalement l'histoire des bibliothèques au même moment. Enfin, c'est certainement une vue de l'esprit de ma part, mais je pense que, en fait, pour sortir de la discipline histoire de l'art médiéval et voir en fait comment plus largement en fait l'histoire de cette bibliothèque d'art et d'archéologie s'inscrit dans une histoire plus générale des bibliothèques, ce serait intéressant d'aller regarder de ce côté où il n'y a peut-être absolument aucune conclusion. Non, c'est une remarque. À tirer,
Voilà, juste une piste, une remarque. Au fond. Il n'y a pas de question. Non, c'est une remarque très intéressante. Je n'avais pas poussé mon questionnement jusque-là, mais ça serait intéressant même dans son processus, parce que ce qu'elle fait dès le début, c'est une bibliographie. Ce qu'elle fait au début, c'est une bibliographie. Ça devient un répertoire iconographique, mais du coup, il faudra comparer avec ce qui se trouve dans les magasins. Et à ce moment-là, je pense qu'elle est surtout dans la manière de nommer, dans la manière de hiérarchiser, de classifier. Est-ce qu'elle s'est intéressée à ça dans le milieu de la bibliothèque? Ça serait intéressant de pousser ça. C'est une très bonne remarque, oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer du coup. Donc, comme l'a présenté Mathieu Beau à l'instant, le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident est un projet à la base de longue durée qui est prévu pour avoir une durée assez longue, voire indéfinie. Mais il se trouve que ce développement va être interrompu par deux événements indépendants l'un de l'autre. Le premier est d'abord d'ordre personnel. En 1913, Louise Pillon épouse Alfred Fernand Lefrançois, né en 1868, et avocat à la cour d'appel d'Amiens. Elle va donc déménager au 46 rue Lemâtre à Amiens, ville qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa mort en 1959. Ce mariage va l'éloigner en fait de Paris et de son travail auprès de la bibliothèque d'art et d'archéologie. Le deuxième événement est, vous l'aurez deviné, la Première Guerre mondiale, qui est déclarée en juillet 1914 et qui va entraîner progressivement l'arrêt des activités de la bibliothèque, puis son don à l'Université de Paris en 1917, et ce faisant, la suspension d'un certain nombre des collaborations qui avaient été établies. Le projet commandé par Jacques Doucet et assumé par Louise Pillon, devenu donc le François Pillon, reste donc inachevé, comme elle le regrette quelques décennies plus tard. Je cite « Un tel répertoire, consulté au centre d'une bibliothèque contenant à peu près tous les objets répertoriés, serait, je continue à le croire, un instrument de travail extrêmement précieux, suppléant dans bien des cas, préparant ou complétant dans d'autres, ce voyage autour des collections des manuscrits originaux que si peu d'entre nous sont en mesure d'entreprendre ou de répéter. » Exclu apparemment du fonds qui est cédé à l'Université de Paris, mais peut-être que la découverte d'aujourd'hui change la donne. Son répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident ne bénéficiera pas de la résonance espérée. Il n'est pas interdit toutefois de penser qu'il fait des émules conséquents, et en particulier l'Index of Medieval Art, développé par Charles Rufus Moret à l'Université de Princeton à partir de 1917, et dont le développement se poursuit encore aujourd'hui, comme va vous le présenter maintenant Jessica Savage. Bonjour. I'd like to extend my sincere thanks to the research team at the INHA. Thank you for the invitation to join you today and for welcoming me to Paris. My thanks are also due to my index and department colleagues back at Princeton for their assistance and their helpful advice. I will say it was my intention to present this as a translated talk. However, I found my expression was lacking a bit. But I've compensated by leaving my title and my captions in French, and I'm going to attempt to read some of the content of the letters out in their original language, so we'll get through this. My presentation is in two parts. The first part considers the sources of inspiration for the Index of Christian Art, then called. It was founded in 1917, and considering the advent of iconographic studies in France and a timeline of travel, teaching, and publications by the founder and his colleagues which correspond to these developments, this will be the first part. In the second part, I will cover the methodology of index cataloging from its earliest phase, which relied on published work and photographs to create its iconographic system. The final portion of this part will focus on surviving correspondence and documentary evidence in the index archive. This will show the interaction of the index within an international network for art research and documentation. So the Index of Christian Art was, as it was then called, was renamed the Index of Medieval Art in its 100th year.
was established as a reference tool for the study of medieval art history. The index compiled original iconographic research into a system which allowed researchers the novel ability to search variations in subject matter over different media, locations, and time periods. This is one of our historic photos, 1960s. I'll introduce you to Maury first. It was an ambitious project from the start, and the professor who formalized the creation of a medieval art index at Princeton was Charles Rufus Maury. A classicist by training, Maury lived in Rome for 3 years at the end of his postgraduate studies. He completed a fellowship at the American School of Classical Studies from 1901 to 1903, and upon his return to the U.S., Maury joined the Princeton faculty in the Classics Department, and in 1906 transfers to the Department of Art and Archaeology. He would remain there until his retirement in 1945. Like bookends to his career, the beginning and end of Maury's career see him spending some time in Rome. The latter years, he's serving as the first American cultural attaché with the important job of facilitating the repatriation of art and cultural exchange in post-war Italy. Around the time of his start in the Department of Art and Archaeology, Maury was working on his first major art historical publication on early Christian sculptural imagery. He published an important stylistic study and interpretation of the 3rd century sarcophagus from the Church of Santa Maria Antiqua in Rome. It had been recently discovered during the excavation of the church in 1901 while Maury was living there. His work on the sarcophagus established some of the earliest Christian themes found on these objects, including the baptism of Christ, the Good Shepherd, and a cycle of Jonah imagery. Later, early Christian sarcophagi would provide the foundation of iconographic research at the index, as they were the first objects to be entered into the new system after 1917. And this is doubtless owing in part to Maury's huge amount of research on these objects. Little known, in the same year that Maury's working on the sarcophagus, he's also publishing a book review on a 3-page book review on the articles of the Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, written by Henri Leclerc for Fernand Cabrol, working from the second fascicule, which was the separately published part in 1903, which came before the 15 volumes, the full 15 volumes appeared over a period of about 20 years, but the first issue came in 1907. So this is very early for this publication, and Maury is interacting in a significant way with this theological dictionary. Unfortunately, we have Maury's copy in the index library, but we don't have his annotations, but we know he was interacting with it in a critical way because his published review says that it was a bit disappointing in one way, because Leclerc does not discuss under a separate heading the legal basis for the persecutions or the procedure and prosecutions against Christians. And to me, this shows that there's an attestation here that Maury was not only deeply interested in the content of the dictionary and this new work on Christian theology and liturgy, but the organization as well of this information. So this is to make the setting that contemporaneous to this major dictionary publication in Paris is the establishment of the Bibliothèque d'Archéologie in Paris, comprising a vast collection of the art and design books belonging to Jacques Doucet, which we've been hearing about today, and which was officially opened to the public in 1909. The activities of the library, especially its iconographic resources and the index created by Louise Lefrançois Pion, will be discussed more by the research team here today. But I wanted to make the point that while the Princeton Index was not yet physically formed, I consider this dictionary review a place of embarquement in Maury's inquiry, and from where we can begin to understand more about his inspiration for creating the Index of Christian Art. So the first point of contact we can document for Maury's presence in France is with his October 1913 student visa, registered with the American Consulate General in Paris, and he obtains it for the purpose of study, he says. And we have his address. It's Saint-Cru Nouvelle Stanislas in Montparnasse.
Even though his visa was valid, though until November 1914, Maury only stayed in Paris for 4 months, and this is doubtless because of the situation with the impending war, and so he only left shortly into his visa stay. And it's during this time that we believe Maury visited the library of Jacques Doucet, which was historically on Rue Spontini. Our other index historians have recounted the narrative that Maury got the idea for the Princeton Index of Christian Art when he encountered this small index called the Doucet Library that was later abandoned. And while this bequeathed information is apparently true, it also stands upon Maury's return to Princeton that his circle of faculty and students were producing serious iconographic research and creating an ever-expanding reference list to art historical objects. So this invited a need for traditional indexing practice to make it useful. So I think I have time to show this. I wasn't sure, but I wanted to remain on Maury for just a few more slides because he's such an important figure. And to contextualize it further, just with the date, is that the foundation of the index fits squarely within the height of the wartime years in Europe. And many of Maury's students actually had wartime service, and they were in France. And in the index collection, we have a lot of these ceremonial medals. And they were with the index, they're now in the Firestone Library. But what I found interesting was there's so many of them tied to particular battles and victories, and it makes me think that Maury's procurement of these medals made him, he was deeply attuned to what was happening in Europe at the time. I think this was another factor in the creation of such a project back at Princeton, but I'm still working that out in my mind. I just wanted to show you that we have these medals that are very understudied. The next key figure, though, this is one of Maury's students who comes back to Princeton to teach in 1920, but he served in World War I, as you could see from his uniform. His name is William Frederick Freddy Stolman, and he was the Princeton class of 1909. He is a specialist of medieval treasury arts and stained glass made in France, and he's published on topics such as Chartres Cathedral and Champlevé enamel from Limoges. His pictured passport, though, is an application from 1921, and it documents a six-month sabbatical in Europe, and he names the countries that he's going to. I think this was interesting, though. It's after his wartime service, so he didn't have a passport, I assume, while he was serving. But for the time being, he's back in Princeton, and within a year, he's traveling, which is great news. And for the first time, for the first period, the index growth is now happening. There's travel happening and there's contact happening. So there are a bunch of people in the department that I wanted to introduce you to. I don't know any of them personally, but around the year 1920, there's a concentration of medievalist faculty in the art and archaeology department at Princeton. And some of these names we've heard today already. So E. Baldwin Smith is another. Ernest T. Duwald is a specialist in medieval psalters. Albert Friend is a Byzantinist, and Howard Crosby Butler as well. They've all made a significant output, and there are other scholars who have done a lot more work on these professors, but I wanted to just introduce you to them and just let you know that there was a core team of scholarship and training at Princeton at this time that the index was also founded. So there was a lot of interest and a lot of support for such a project. And one thing I underlined in my presentation is that the index's mission was to facilitate learning in the department. So it was always conceived as a teaching collection, something we still continue to this day. And so this point I wanted to make with maybe a greater perspective that this was a collection that grew at Princeton, conceived by Maury, and these scholars and their students. Their students were a big part of this, and those who saw the usefulness of such an apparatus. So by 1925, their collaboration is becoming a little bit more formal.
And it's becoming better known, especially with the wonderful assistance of female workers who helped bring the photo archive and the actual formalization of the typed cards that I'll show you in a moment to over 5,000 illustrations, and it's gaining global prominence in this decade. So I'm going to quickly move through some of these so we can keep going. So the index library, so that when I say that, I mean our own research library separate from the card catalog, is a treasure trove of iconographic resources. And there's many that date to the time of the foundation of the index, and that was what I looked at for this project to put them sort of in context for you. So in 1915, Mori publishes Lost Mosaics and Frescoes of Rome. And the next year, it's delayed because of the war, but we have in our index collection Gabriel Millet's Recherche d'iconographie de l'Evangile. And the same year after the foundation of the index, in 1918, was the publication of E. Baldwin Smith's Early Christian Iconography in the School of Provence. This is the subject of his dissertation topic under Professors Mori and Crosby Butler. So there's a big network happening, and Millet features later on at Princeton in my presentation, but I'm going to keep going. So at the time, though, in 1917, at the foundation, the index was still very small, very specific, and focused on objects of Christian art only to the year 700. Mori and his team were said to have met in the basement of the art museum, and they went through many publications to compile references to works of art that had subject matter on them. They stored the finished cards that were written by hand in a shoebox. That's the legend. And we don't have the original shoebox anymore, unfortunately. There are some echoes of it in his own archive, which I would love to get into more one day. But we know that at this time, though, they were creating just very brief entries, so the emphasis was on brevity, and the emphasis was also on the major iconography, so the subject matter, the figure or the scene, and there's a hierarchy that I could really get very technical and explain, but the main basis of this is gesture, attribute, and directional details. So it's very important to the index, like what hand is holding what, who's reaching for what. Extending is a big word that we use in our descriptions. So figure holding a roll in their right hand, that's a very index description. And we don't do any meaningful interpretation beyond that. That is the job of the scholar who's using our system. So the immense and continuously developing work in the medieval art history field, especially these new demands that are happening at this time, they expanded the index. I mentioned the year 700, but the year goes up to the 1200, and then it's expanded one more time to 1400, which is the current extent of the physical card catalog in Princeton. We don't add to it anymore, so it's a solid, it ends at 1400. And there's two systems in person that you can use. One is an alphabetical subject index that covers A to Z, Alpha and Omega to Zwentebold of Lorraine. And there is a complementary photo archive that's organized by medium and then major locations within these mediums with object types within those cities, if that makes sense. So it's there's a deepening of the files as you go. It's a very interesting and well thought out system. I'm gonna go a little bit further because I want to get more into Mori's inspiration. And I got really excited doing this project because I found so many things happening that were parallel between his publication, his scholarly career, with the themes of this seminar, and also how the index developed, really, too. So Mori, who is in his own right a pioneering iconographer in America, he often spoke about the great achievements of the other iconographer, the
the earlier one and the French art historian Emile Mall, who we just heard about. And as we know, Emile Mall promoted the study of pictorial elements in works of art for their source and meaning, going beyond simple form. And Morey really responded to this. And so he has a very favorable book review, which he publishes in 1915. It's the same year that he produces the Lost Mosaics and Frescoes of Rome. And in his book critique, though, there's one thing that stood out to me, and I highlighted it at the end of my slide here. And he says, the charming simplicity and easy flow of Monsieur Mall's French style is somewhat marred in the translation, but the clearness of presentation has suffered little. So this is, if I didn't say this, this is his book critique of the first English translation of La Religieuse de XIIIe siècle en France. And this was produced by Dora Nussey in London in 1913. And the word marred stood out to me, tainted, entaché. So I'm holding on to that because this stood out to me, and later on in my presentation we'll see why I think he's inspired by Mall's work quite a bit. But there's other things he's working on, and again, my dates at the bottom are to guide you through this timeline of his scholarship, and he's actively teaching at this time as well, and it's not surprising that Morey was interacting with these really major publications that were coming out of Europe. But here I'm going to show one of them that I thought was really significant, and this was something I found in the library. Actually, one of the librarians at Princeton alerted me to it, so I should give her the credit, because it's just in their circulating collection, and we think it should be restricted, maybe. What I'm showing on the screen right now is Morey's unpublished commentary from 1916 on the figures of Paul France Julien Marcoux's Album du Musée de Sculpture Comparée Série 1. The digitized book, which you see on the left, was very helpfully found through the Bibliothèque Numérique Yann Achat. Thank you for that. And it made it very easy for me to read Morey's published typed commentary that you see on the left with the figures happening in the book. So it's showing this commentary is simultaneously happening around the time of the foundation of the index. This is the year before it's actually formalized. And to me, this is showing further that the practice of compiling bibliographic sources with great care was really at the forefront of his practice as a professor. And the complete consumption of a book's photographic material as well, like as we're seeing here, he's going back over Marcoux's figures as well, and basically writing an explanation for why each of these figures is important. It's very fascinating, and there's a lot of transcription work to do, but I'm going to dig into this more when I get back. But yes, it's another useful, it's a useful teaching aid, but it's also providing a good system for the Index of Christian Art. So this was a very exciting find in my journey of finding out more about how Morey had these ideas and how he was reading and working on his own scholarship. This was also in Marquand. I found this myself, though. And here Morey's producing a lot of scholarship at this time. I jumped ahead, I'm sorry, I should say, to explain this, I had to jump ahead, because the translation is in 1943, is when it's given, and when it's given to the library, I'm sorry. And so Morey at this time is regularly producing, he's broadened his scholarly inquiry around this time, and he's working on a lot of these unpublished drafts that are in his own archive at Princeton, but these were in the library, and so I had to look at them, and they turned out to be unpublished drafts. So c'est deux extraits inconnus des chapitres de Emile Mall. So they comprise of Morey's and Stolman's own English translations that are previously unknown. I did dig into this very deeply, and I didn't find that there was a known second
English translation. So if you remember, he said the first English translation was entaché, and later on, within a few decades, he and his very close colleague, who is a specialist in Chaulnevet enamel, are working on these two translations in English of I think he's working from the fourth edition. So I've laid this all out here. This was not the first time that Maury and Stolman worked together. So they have a rapport in the department. And one of the things that brought them together was the shared work on the catalog of the Museo Cristiano in the Vatican Library. And they began that project in 1929. Maury wrote on ivories and Stolman on enamels, which is no surprise, because he's later a specialist in this. But as shown here, Maury and Stolman's translations fall somewhere between the fourth and the fifth. The official second English translation doesn't happen until decades later, which is the accepted one is 1986. So I believe this is an unknown work. And the brevity of the work, the chapters, makes me kind of believe that these were a proof of concept, perhaps. Perhaps Maury and Stolman were wanting to present these as corrected drafts to Moll, or perhaps they're a part of a greater editorial collaboration, and maybe we'll still learn about this from other means. But the fact that the translations are deposited into the library, the local library, suggests that maybe they just wanted a better translation around for teaching. So there's also that simple explanation too. And the backs of these two books have the old circulation cards with the stamps in them. And you can see who took them out. And the first person who takes them out in 1945 is Professor Kurt Weitzman. So they were at least known in the 40s and 50s, but then as these things go, they get lost in the stacks. But the translation, I harp on this for a little bit because the translations are so interesting, especially Maury is annotating his own copy. So you could see in my example here, he's worked on the part for pathos, which I believe Mal's chapter is pathétique. And it's especially interesting because there's a second pass over the type draft, and he added his corrections. Working on this particular crucifixion scene from a church in Louvières, Maury is reading the original sentence on Mal, "En sent que tout le poids du corps porte sur le deux mains, et avant tout réflexion, cet hiéroglyphe tragique, cette sortie, d'un choc douloureux." And then Maury corrects this last part of the sentence in his English translation, in English, and says, "And the painful why thus becomes a hieroglyph of shocking pain." He crosses out the pain and he puts agony instead. So he's really very interested in the way that Mal is saying and how it's coming across. And I found this really fascinating. So, but I'm going to move on because we have limited time. My presentation in a few parts. Sorry, this is the end of the first part, and we'll get into the letters. So, I had to mention this because Stolman still is such an interesting figure to me, and he's not—he's often overshadowed because the figures in the department, like I just mentioned, Kurt Weitzman, who come after him, are the ones that just you know of when you think of Princeton. But Freddie Stolman was really wonderful. Scholar, and he carried on a legacy of projects and photography that was relevant and supportive to the index, especially after Maury retired, which I mentioned he retired in 1945 and he goes to Rome. So Stolman would often make trips to France. We know that he was working with Julien Kahn and also Jean Porcher at the BNF, and it's stated that there were interested in starting a corpus of emo, the corpus of enamels, that they conceived to mirror the creation of the corpus vitriorum, which is for stained glass. And Jean Porcher was photographing manuscripts at the BNF. So this was timely. And if I didn't say the time, it was 1957.
And their book, it stated in the Lumiller catalog by the Metropolitan Museum that Stolman and Kahn are both absorbed, they use the word absorbed, with the principles of classification. And so just to quickly segue though, what I've understood is that the corpus that they started does not finish within their lifetimes. Stolman unfortunately dies rather young in Princeton, but the project I noticed was picked up again in the 1980s by a historian based at the INHSH, Marie-Madeleine Gauthier. So the census was first published in 1987, she credits Stolman in the work and says that it's taken 30 years to complete, but it's something I wanted to end on, just saying that these contacts, they don't, sometimes they do take decades to come to fruition. Projects don't happen overnight. That's the basis of the first part. So now we're going to get into that's the index part, the deuxième partie. Okay, and now you maybe recognize some of this. I'm going to return just to the year 1905, where we looked at the Princeton-based scholarship, which was Maury's publications on the sarcophagus and his review of the Cabrol Leclerc Dictionnaire. But in France, as we've seen by Mathieu, there's this major publication, a large multi-volume journal history of Western art from the early Christian period up to the 20th century. And it's produced by André Michel and Paul Vitry. And their enormous contribution has 11 collaborating authors listed on the preliminary page, which I've put in the middle. They include Emile Mall and Gabriel Millet. Though not listed by name in the book, we know that Louise François Pillon was part of this project, that she assembled the indexes. So I wanted to make that point, that in 1905 she's also doing something quite significant and parallel. So her major work, one of her major first publications though, is the Le Portail Latéral de Cathédrale de Rouen, and it's published by Alphonse Picard in Paris in 1907. The preface is written by André Michel, and in her acknowledgments, Louise Lefrançois says she starts working on the exterior reliefs in 1903 with her cousin and the artist Emmanuel, also known as the Lou de Saint-Ville. And that he is the photographer. I learned that the other day, that he's the photographer of the 69 figures that appear in the text, which some of my inquiry in this project was also thinking about early photography, and I wonder if our group will talk about that in the discussion, because it's just so interesting that she's, she has this support from her family and from, we think, Jacques Doucet as well. So I don't know if I included this. I took a picture on the left, on the right, which is in the Princeton University Library copy of Louise François Pillon's book. We still have the publisher's advertisement leaf, and it's really fun to read. It praises the novelty of the work, and it calls the book a répertoire d'iconographique très abondant et varié. So, I don't know if anyone has seen this before. I thought it was really fun that I was flipping through, and it's still in there after how many, 100 years or more, 110 years. I'm gonna move on though, because I wanna show you more about how Louise Lefrançois Pillon shows up in the index. So in 1907, when her book was published, the index hadn't started yet. So it's not surprising that it wasn't immediately entered, because if you work in archives, you know there's a backlog. And so this is what I think happened, having been at the index so long. And I'll just explain these photos. On the left, you have the photographic drawers, which I explained. In the middle is the subject card file. And I've blown up and zoomed in on one of the subject cards that show the two pieces of bibliography that support that description.
So the first one is Louise, and the second is La Fonde, the Cathedrale de Rouen publication from 1936. And I noticed, because I can flip these over and I can see when these were entered into the index, and they went in 1941, which tells me that I think that someone had probably seen, more likely had seen the La Fonde publication and was indicated to go to see Louis Lefrançois Pion. I'm not sure if that's exactly what happened, but that seems more likely because of the way it was, the date that it went in. But I'm going to keep going because this is the kind of the more interesting part for this group, because we're actually talking about description now. Let's see. So on the left side we have the actual photographic card, and I chose the subject of the parable of the mauvais riche, or in English it's called the Parable of Lazarus and Dives. And it's really interesting because you have so this shows, maybe I have a lot of words on here, but I'll explain. The first caption is from Louise Lefrançois Pion's own book. This is how she describes it. Le même serviteur dans le relief en prit et se disputant violemment le clé attaché à la ceinture du mort et caché sous son oreille, l'un d'eux prend l'autre à la gorge avec un geste d'une vivacité admirable. So in this description, we see, you can visualize it. It's violent. There's gesture. There's vivacity. These are easy words to read it in, you know, and in English as well. But I put a little star into how the index in the middle, how in the index has interpreted that. And they do it old-fashioned with the number after. So it's two servants of Divas struggling for keys under pillow and attached to belt behind bed. That's all you get. There's nothing about violence. There's nothing about gesture or vivacité. It gets more and more simplified as you go on. And number three is the description that you'll find on the database, where we're allowed, again, to be a little more free and descriptive. So this one gets a little more exciting. Two men contend for key under pillow and attached to the belt of Divas, reclining on draped bed, possibly representing brothers of Divas. And you get a biblical citation too. So it just, the medium really controls a lot of this as well. So the little fiche, the 3x5 card, they have to be very succinct and brief. And we're now going full circle where we have a database and we can talk about color, we could talk about so many other things. So I'm going to keep going because I know I'm going a bit long, but in 1920, Phila Calder Nye is the first female director of the index. She was working with Maury for about 10 years. She has an art history background. She never went beyond, I think, 2 years, though, because it was early for that time to do so. But she did work on a lot of solid publications on iconographic topics, which I wrote the article on her on the Dictionary Art Historian, so you can read them on there. I won't list them. But at the time, the workers, it was a slim team, but they were very devoted. It was a period of finding stability, finding finances, and continuing to gather all the references possible to make the index a comprehensive tool. Particularly under Nye's directorship, many of the researchers and applicants to the index were women, some of them with graduate training in art history, but several others stating that their skills in typography, stenography, and their knowledge of the Bible were some of their greatest skills. Legendarily, these women workers, mostly from the 1920s and early 30s, were called the muses of the index. But now, with new archival research being done at the index by me and the index director, Pamela Patton, we've been able to reveal and retrieve some of their names, and we've also found some of their salaries, even though they're low. But it's great to put names and faces together again.
But I wanted to show this quickly because Nai travels to Paris quite a bit in her career, especially in the 20s, and I want to find out if she's also connected to, I know we looked up her name the other day in the database, didn't find her, but maybe there's something still there that there's a connection with Doucet or with Louise of François Pillon. Because she's very good in French too, so her notebooks, these little carnets that she's writing, are franglais maybe? She's writing a little bit in English, a little bit in French, and she's putting in drawings as well. But this was another mode of cataloging description at the index at this time. You're working from a published catalog. So she's working from this Le Marchand catalog from 1863. This, if I hadn't said it already, she's working on the Evangeliary of the Angers. But by later standards, her descriptions are more thorough, as we just discussed, because she's talking about things like color and ornament, and these are things that are typically left out of the typed index iconographic descriptions. We don't go into that. Okay. This is actually the final section. This is about the correspondence that I found in the archive between the French network. I've talked with the team about Marguerite Lemerle. I actually talked with Awana Rapti yesterday too, because very interested in how she was connected with Gabrielle Millet. This is the wife of Paul Emile Lemaire, and she was with the Félix Calder Nai. They were in a connection and collaboration with each other and sending these notebooks back and forth to one another, and she was being paid for this. So she's looking at fiches and photographs of works of art and writing in these notebooks the full description that is then being entered into the index. So this is another method of attaining knowledge from across networks, and that we have her letters. Her and Paul Lemerle have written to Fila. Some of them are nicer than others. They're complaining a bit about the delay in how long it takes to get answers. But I thought just to maybe this be one of the major last ones I show is this iconographic list that Marguerite is making, which corresponds to the notebooks. So there's a list of subjects. It starts with Anjean Diacre, Chrysostome, Ascension, Vierge, Ange, et Portre. I think you can see from there. And we have Millet's support for the formation of the index. I won't go into all of this because we're running out of time, but there was networks and there's interesting people that on both sides, and it's a fascinating thing. And let's see, maybe I won't read this out for you, but this was an interesting letter that I found because just maybe this is the best way to end it. So we have Gabriel Millet saying, you know, he's showing his support. Your project is a big one. Your index seems to be destined for greatness. And he's calling it the science of the past, demands an organization of that of the sciences. So he's really excited about this methodological international collaboration. And then later on, we have André Blum, who's the conservator of the Edmund Rothschild collection. He's asking Maury, is it possible for you to give me your way, the way that you organize your cards, and how do you class them? Car votre méthode sera d'une utilité particulière au point de vue scientifique. So he's very interested in the scientific method. And there's more to say, but I'm going to end it here because I want to hear from everyone else. And if anyone has any questions about the index, and I'd love to talk more. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. Yes. Okay. Merci. Merci, Jessica.
Du coup, au-delà de l'intérêt indéniable du répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident pour l'histoire de l'art et pour l'histoire de la discipline, comme donc l'ont montré les deux précédentes interventions, le travail effectué par Louise Lefrançois Pillon rend aussi compte des modalités très particulières de contribution à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Louise Pillon est ainsi, selon les rares archives institutionnelles disponibles, avant tout une lectrice de la bibliothèque. Entre 1910 et 1914, sa fiche recense au moins 206 entrées. Cette assiduité notable, qui plus est associée au crédit scientifique dont elle dispose via sa production de médiéviste, explique sans doute son recrutement autour de 1912 avec cette mission de constituer un répertoire. En réalité, cette transition de lecteur passif à collaborateur actif est loin d'être exceptionnelle au début de la bibliothèque d'art et d'archéologie, en particulier chez les femmes. Dès lors, les tâches réelles attribuées à certaines personnalités qui gravitent autour de cette bibliothèque restent complexes à définir en raison notamment de cette absence d'archives institutionnelles. Je laisse donc désormais la parole à Lucie Prohin, j'ai buté sur le prénom, qui va tenter d'interroger le rôle effectif joué par quelques historiennes de l'art dans cette institution. J'aurais fait toutes les chaises, mais je crois que je joue un peu aux chaises musicales aujourd'hui. Alors, nous nous intéressons aujourd'hui, vous l'avez compris, à un répertoire iconographique. C'est pourquoi il me paraissait pertinent de commencer mon propos en vous montrant une image. Cette plaque commémorative figure un portrait de Jacques Doucet, le fondateur de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, trônant sur un rayonnage rempli d'ouvrages. Elle a été réalisée par le graveur Henri Nock, mais à ce que je sache, nous ne connaissons pas les circonstances de sa commande. Mon objectif n'est pas de retracer l'histoire de cette œuvre, mais d'essayer d'éclairer un autre mystère qu'elle soulève. Je vous invite ainsi à vous arrêter sur l'inscription située en bas de la plaque, « Ouverture de la Bibliothèque Jacques Doucet, 1909, hommage des collaborateurs ». Qui étaient donc ces collaborateurs? Alors, faute de source, je ne pourrais malheureusement pas éclairer l'identité des personnes responsables de cet hommage gravé, mais au cours de mon intervention, je vous propose de réfléchir plus largement à la notion de collaboration à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Alors, je ne suis évidemment pas la première à tenter d'éclairer cette question. La conservatrice des bibliothèques, Élodie Bertrand, l'a notamment étudiée dans son mémoire consacré à la bibliothèque de sa fondation à sa donation à l'Université de Paris, dans lequel elle distingue plusieurs catégories de personnes ayant contribué au fonctionnement de l'institution. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Dans une première partie, j'interrogerai donc le travail de Louise Lefrançois Pillon au sein de la bibliothèque à la lumière de quelques réflexions sur le statut de ses collaborateurs de l'institution de Doucet. Mais si je n'ai jusqu'ici employé que le terme de collaborateur, je me dois d'y ajouter son féminin collaboratrice, car comme vous le savez déjà, les personnes qui ont travaillé pour la bibliothèque d'art et d'archéologie n'étaient pas tous des hommes. La deuxième partie de cette présentation confrontera donc le cas de Pillon à celui d'autres collaboratrices de l'institution, afin d'interroger les spécificités de l'engagement de cette historienne. Je terminerai par une ouverture vers une période qui ne constitue pas le cœur de notre travail au sein de ce programme de recherche, c'est celle de l'entre-deux-guerres, durant laquelle l'engagement des femmes à la bibliothèque connaît des évolutions notables. Mais avant toute chose, je tiens à souligner que cette communication s'est nourrie du travail mené par plusieurs membres du programme de recherche de l'INHA qui ont réalisé des notices sur les acteurs et les actrices de la bibliothèque Doucet, et en particulier le travail de Pascale Cugy, ancienne coordinatrice scientifique, qui a étudié le cas de plusieurs collaboratrices. Donc pour effectuer un retour sur la figure du collaborateur à la bibliothèque, commençons par le commencement. La première occurrence de ce terme peut être retrouvée dans l'une des rares sources que nous connaissons sur les débuts de l'institution avant son ouverture au public en 1909. Ce document d'ailleurs a déjà été cité dans plusieurs autres séances de séminaire. Le mardi 2 juin 1908, Jacques Doucet écrit une lettre à René Jean, qu'il engage comme bibliothécaire, dans laquelle il lui expose les conditions dans lesquelles il travaillera à la bibliothèque. Le mécène lui explique, je le cite, « Je considère prendre en votre personne plus un collaborateur qu'un fonctionnaire ». On constate donc ici que ce terme s'applique à un employé permanent de l'institution.
Alors, je ne peux pas m'empêcher, je serai brève sur cette partie, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ici quelques résonances avec des travaux contemporains en sciences de la communication ou en sociologie du travail. Ces études me semblent ouvrir des pistes de réflexion assez fécondes pour réfléchir à la question de l'emploi des moyens humains à la bibliothèque Doucet, même si je ne me risquerai pas à comparer le contexte de la bibliothèque d'art et d'archéologie à celui des entreprises du XXIe siècle. Sans revenir en détail sur l'évolution de son utilisation, je rappelle que l'emploi du mot collaborateur s'est progressivement développé dans le langage managérial au cours des années 1990. Selon Jean-Luc Bouillon et Élise Mas, chercheurs et chercheuses en sciences de la communication, la sémantique de la collaboration pose question, car elle renvoie implicitement à une vision idéalisée de l'individu au travail. Je les cite. Lorsqu'il est qualifié de collaborateur, un individu est considéré comme étant subordonné à l'organisation qui l'emploie, mais sur la base d'une conception élastique de cette dépendance hiérarchique. C'est également ce qu'a souligné plus récemment la sociologue du travail Danielle Linhart, qui considère que la préférence donnée au terme de collaborateur, plutôt qu'à celui d'employé ou de salarié, marque une volonté d'aplanir, sinon de dissimuler, les rapports de hiérarchie qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Ce qui semble transparaître dans la lettre de Doucet, c'est peut-être moins l'idée d'effacer la notion de hiérarchie, puisqu'il se présente bien comme un patron pour René Jean, mais celle de s'éloigner d'un carcan administratif qu'il associe aux bibliothèques publiques. Cela peut se constater au niveau des limites horaires qui sont fixées aux bibliothécaires, qui sont loin d'être précises. Je le cite encore, je ne puis vous fixer des heures d'arrivée ou de départ régulières comme dans une administration. Ou plus loin, vos travaux particuliers peuvent nécessiter des absences de votre travail de bibliothèque. Comme nous sommes tous deux des gens honnêtes, il est certain qu'en ces circonstances, nous agirons tous deux honnêtement. De manière plus générale, on comprend qu'il attend de René Jean un engagement total pour le projet de la bibliothèque. Je le cite encore, hein. Tout cela est forcément très vague parce que les circonstances et les besoins seront plus forts que des conventions difficiles à définir. Et plus loin, le plus sérieux est que vous devez à la bibliothèque que je forme tout votre dévouement et toute votre intelligence. Ce contraste entre les bibliothèques de fonctionnaires et la bibliothèque Doucet se retrouve par la suite dans des articles de presse qui évoquent l'institution. On peut notamment penser à un article du critique d'art Arsène Alexandre, publié en 1911 dans Le Figaro. Je le cite. Il est curieux et piquant de noter que ce que l'État, avec ses immenses ressources et ses moyens démesurés, ne peut réaliser, parfois un simple, bon, simple, particulier, réussit du premier coup, de la plus large et la plus noble des façons. On peut en ce moment en citer un exemple vraiment beau et réconfortant, c'est la Bibliothèque d'art et d'archéologie. On y travaille avec une assiduité qui n'a d'égal que la joie de pouvoir venir piocher à l'aise, sans formalité absurde et vexatoire, sans crainte de ne jamais obtenir ce qu'on est venu chercher. Or, l'un des éléments les plus souvent mentionnés pour souligner l'exception que constitue la BAA est justement le fourmillement de collaborateurs qui permettent à l'institution de créer des outils de recherche particulièrement appréciés, et Mathieu en a parlé. Je cite à ce propos plusieurs articles parus dans des quotidiens. Monsieur Jacques Doucet a entrepris de leur procurer des instruments de travail qui n'existaient point encore. Des collaborateurs choisis donnent chaque trimestre un répertoire des articles parus dans les revues de toute l'histoire de l'art et un répertoire des ventes y a été joint récemment. Ou encore, ce sont d'admirables instruments que Monsieur Doucet et ses collaborateurs mettent entre les mains des travailleurs. Ou enfin, une troupe active de collaborateurs mettait en œuvre ce vaste amas de matériel. La figure du collaborateur tient donc une place particulièrement importante à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Sous la plume de Doucet, elle est un symbole de la distinction de son institution vis-à-vis des bibliothèques publiques. Et pour les commentateurs externes, elle représente l'activité importante de la bibliothèque, notamment dans la constitution d'outils de recherche, ce qui fait bien sûr écho au travail de Louis Pignon. Il y a toutefois de nettes différences entre l'engagement d'un René Jean et celui de personnes ayant travaillé ponctuellement à la bibliothèque. Pour mieux définir cette figure plurielle du collaborateur, j'en arrive donc aux catégories élaborées par Élodie Bertrand dans son mémoire. Celles-ci sont au nombre de trois. La première est peut-être la moins compliquée à cerner, même si les archives nous font défaut pour connaître précisément les rôles et dates d'embauche de ces acteurs. Il s'agit du personnel permanent de la bibliothèque. Cette catégorie comprend bien sûr le personnel de direction, c'est-à-dire René Jean, Albert Vuaflard. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur ces deux figures, je vous encourage à aller consulter les billets que leur ont respectivement consacrés Marianne Sarda et Pascal Cugy sur le carnet de recherche du programme. D'autres employés avaient la charge de sections précises. On peut ainsi prendre l'exemple de Louis-Eugène Lefebvre, qui s'occupait de la photothèque, ou encore de Clément Janin, en charge du cabinet des estampes modernes. À ce personnel permanent s'ajoutent de nombreuses personnes qui se sont vues confier des tâches et des missions devant servir au développement de la bibliothèque.
Élodie Bertrand les distingue en deux catégories, on y reviendra pour peut-être les nuancer un peu. D'abord, les spécialistes, des savants et des scientifiques consultés ponctuellement par le personnel de la bibliothèque pour leur expertise dans certains domaines de recherche. Et ensuite, les collaborateurs ponctuels, qu'elle définit comme les personnes, je la cite, hein, qui furent associées à la bibliothèque pour mener des tâches précises sans que celles-ci leur imposent pour autant une présence régulière dans les locaux de la bibliothèque et un travail à temps plein. Parmi les spécialistes, alors ce ne sont que quelques exemples, il y en a beaucoup, on retrouve des scientifiques déjà reconnus, comme Paul Perdrizet, Arnold van Gennep, Édouard Chavannes. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, il est bien né en 1865, il n'a pas remonté le temps. Ou encore Gabriel Millet, qui tous ont conseillé la bibliothèque dans ses acquisitions, en réalisant souvent des bibliographies sur des sujets donnés. Quant aux personnes qu'Élodie Bertrand nomme collaborateurs ponctuels, elles étaient issues de différents milieux, elles voyaient confier des entreprises très diverses, différentes publications pour faciliter les études de l'art en France, ou encore la réalisation de bibliographies, comme celles qui étaient demandées aux spécialistes. Claire et Mathieu ont notamment mentionné l'exemple d'Oreste Tarfali et de sa bibliographie sur l'art byzantin. Face à cette figure polymorphe du collaborateur, le cas de Louise Pignon me semble constituer une intéressante synthèse. Comme cela a précédemment été rappelé, Louise Pignon commence à fréquenter la bibliothèque d'art et d'archéologie dès 1910. Sa carte de lectrice indique 20 entrées cette année-là. À l'époque, elle a déjà soutenu et publié sa thèse de doctorat, je n'y reviendrai pas, elle est l'autrice de nombreux articles dans des revues reconnues, etc. Son allocution au congrès d'histoire de l'art de 1921, qu'elle reprend ensuite presque mot pour mot dans le bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque, indique qu'on est vraiment venu la trouver pour lui confier une mission. Je la cite « Je me vis un jour confier la tâche de rédiger un répertoire bibliographique ». On pourrait dresser un parallèle avec le travail qui est demandé à Paul Perdrizet en 1909. Alors qu'il avait déjà été chargé en 1908 de constituer une bibliographie sur l'histoire de l'art et l'archéologie durant l'Antiquité, il réalise un peu plus tard une autre bibliographie portant cette fois sur l'art médiéval, qu'il évoque dans une lettre, en s'excusant d'ailleurs de son retard dû à un problème de santé. Je le cite, « Je vous serai obligé de donner à M. Doucet des nouvelles de mon état. Il excusera le retard dont vont être grévés mes engagements envers vous. La liste des textes et manuels pour l'art du Moyen-Âge est prête. C'est en la terminant à la bibliothèque universitaire la veille de Noël que je me suis sentie frappée. » Le 17 décembre 1909, Perdrizet avait en effet achevé sa liste intitulée « Textes et répertoires indispensables pour l'étude des monuments figurés du Moyen-Âge et pour l'étude approfondie de l'art chrétien ». Celle-ci comprenait moins d'une trentaine de titres, probablement considérés comme les plus urgents à acquérir, alors que la bibliothèque venait tout juste d'ouvrir ses portes au public. Le projet confié à Louise Pignon visait donc sans doute à l'origine à compléter cette liste, et il a par la suite évolué de façon assez nette, comme l'a montré Mathieu, pour devenir un répertoire iconographique. Cette collaboration et cette collaboratrice me semble donc se situer à une sorte de carrefour. Comme l'a souligné Claire et comme l'a aussi souligné Mathieu, on lui a spécifiquement confié une mission ponctuelle en tant que spécialiste reconnue dans son domaine parce qu'elle était probablement la meilleure personne pour s'occuper de cette tâche. Ensuite, le minutieux travail de longue haleine, c'est ce que dirent les gens, qu'elle a finalement effectué pour son répertoire, tend à la rapprocher de celui mené par des collaborateurs œuvrant pour de très grandes entreprises de la bibliothèque, comme le répertoire d'art et d'archéologie. Et enfin, sans devenir une permanente de l'institution, l'ampleur de cette réalisation l'a conduite à passer un temps très conséquent rue Spontini. En 1912, elle se rend ainsi 104 fois à la bibliothèque. Mais comme pour beaucoup de collaborateurs, plusieurs zones d'ombre persistent concernant la nature de son engagement. Ainsi, devait-elle rendre des comptes réguliers de son travail pour le répertoire ? Sur ce sujet, on ne lui connaît qu'une seule lettre à René Jean. Celle-ci n'est pas datée, mais on comprend qu'elle date du début du projet, au moment où Louise Pignon consultait des bibliographies avant de commencer son long et fastidieux travail de dépouillement. Donc je la cite. « Dans quelques jours, lorsque ce premier travail sera fini, je viendrai m'approvisionner de fiches et commencer à dépouiller les périodiques. Ne soyez donc pas étonnés si vous ne me voyez pas tout de suite et ne me répondez pas, surtout, c'est inutile. » Bien cordialement, Louise Pignon. Même si elle tient René Jean informé de l'avancement du projet, elle semble assez libre dans sa façon de le mener. Pourtant, le fait qu'elle ait travaillé aussi rapidement, elle parle, nous l'avons vu, de 5000 fiches réalisées en 18 mois, pourrait nous faire penser qu'elle avait un calendrier à respecter. La deuxième zone d'ombre se retrouve pour de nouveaux collaborateurs et concerne la rémunération. Cette question est compliquée à aborder car nous nous heurtons, comme souvent dans le cas de la première BAA, à un manque d'archives, ce qui suppose de devoir procéder par exemple. Nous connaissons certes quelques cas de collaborateurs rémunérés, mais ceux-ci sont rares et tentent à montrer que la rémunération était loin d'être systématique et ne passait pas toujours par les mêmes canaux. En 1912, un bulletin d'une société archéologique s'intéresse à la parution d'un volume du Dictionnaire des artistes et des ouvriers d'art de la France et mentionne des indemnités
versée aux collaborateurs. Si la Société archéologique du Midi de la France acceptait le principe de préparer le dictionnaire du Haut-Languedoc, nous lui en serions très obligés. Après entente, les indemnités pourraient être adressées à la commission qu'elle chargerait de ce travail. Élodie Bertrand confirme en effet dans son travail de mémoire que certains érudits locaux collaborant à cette entreprise, donc le dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la France, étaient rémunérés pour leur travail, comme Marius Audin. La séance de séminaire sur Émile Espérandieu nous a en outre appris qu'il recevait une indemnité lui aussi pour ses travaux à la bibliothèque. Je vous renvoie au billet publié par Marianne Altitz-Marviette sur le carnet de recherche du programme, où elle souligne que le versement de cette indemnité avait été suggéré par Salomon Reynac, qui connaissait la situation financière quelque peu tendue de l'archéologue à la retraite. Je m'arrêterai enfin sur un dernier exemple qu'Élodie Bertrand évoque aussi dans son mémoire. Il s'agit du cas d'un étudiant chinois, M. Chou, qui travaillait sous la direction d'Édouard Chavannes pour le fonds extrême-oriental de la bibliothèque. Dans son cas, c'est un montage financier qui avait été mis en place. Je cite une lettre de Joseph Akin à ce propos. « Vous savez que nous manquons en ce moment de traducteurs chinois. Avez-vous des travaux importants à confier à M. Chou ? Monsieur Guimet est disposé à lui faire un fixe de 50 francs par mois. Il faudrait trouver 3 personnes qui se chargeraient de garantir une somme globale de 150 francs, soit 50 chacune. Veuillez donc me dire s'il est possible d'entrer au nom de votre bibliothèque dans cette combinaison. » Ce traitement financier semblait néanmoins s'accompagner, dans le cas de cet étudiant, d'une surveillance beaucoup plus stricte de son travail, comme en témoigne cette lettre d'Édouard Chavannes. « Je viendrai avec M. Chou vendredi matin à 9h. J'ai dit à M. Chou qu'il serait payé 20 francs pour chaque matinée qu'il passerait avec moi de 9h à midi. Je n'ai donc pas engagé la bibliothèque pour les cas où il viendrait seul et où je ne pourrais pas contrôler son travail. » Dans le cas de Louise Pignon, comme dans celui des autres collaboratrices de la bibliothèque, nous y viendrons dans un instant, aucun élément ne nous permet d'affirmer qu'elle était ou n'était pas rémunérée pour son travail. Elle témoigne pourtant d'une évidente reconnaissance à l'égard de Jacques Doucet lorsqu'elle lui dédicace ses ouvrages. En 1912, pour les sculpteurs français du XIIIe siècle, elle lui écrit à M. Jacques Doucet, bien reconnaissant hommage. En 1913, pour les sculpteurs français, cette fois du XIIe siècle, c'est même plus appuyé. Exemplaire offert à la Bibliothèque d'art et d'archéologie en hommage de gratitude pour tous les services rendus. Cela m'amène à formuler deux hypothèses. Alors, ou bien Doucet l'a rémunéré pour son travail, ce qui serait un sujet immédiat de reconnaissance, ou bien, et c'est l'option qui me semble la plus plausible, Louise Pignon remerciait Doucet pour sa générosité dans la constitution même de la bibliothèque et pour ses largesses dans le fonctionnement de celle-ci, qui permettait de commander des ouvrages dès que les chercheurs ou chercheuses en ressentaient le besoin. Cette reconnaissance transparaît d'ailleurs dans le texte de son allocution au congrès de 1921, dont a parlé Mathieu. Je vous lis cette petite phrase. « Vous vous rappelez avec quelle reconnaissance et quelle joie nous accueillîmes cette perspective ?» Donc la perspective de la fondation de la bibliothèque Doucet. De manière plus générale, on semble ici toucher du doigt un principe qui me semble assez fondamental dans le fonctionnement de la bibliothèque, celui d'une certaine réciprocité entre, d'un côté, un mécène mettant à disposition des travailleurs et travailleuses un foyer de travail considérablement outillé, et de l'autre, des collaborateurs et collaboratrices prêts et prêtes à se mettre ponctuellement, et parfois bénévolement, notamment dans le cas des femmes, au service de l'institution et de ses activités. Avant de conclure cette dernière partie, il me semble toutefois important de souligner que le statut de personne associée à une institution n'était pas spécifique à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Dans les musées nationaux, on retrouvait ainsi le titre d'attaché libre. Sophie Pipeau-Bocquignon l'a évoqué dans ses travaux sur les premières années de l'École du Louvre. Ce titre pouvait être décerné aux élèves ayant présenté une très bonne thèse à l'issue de leur scolarité dans cet établissement. Il ou elle s'engageait alors, je cite, à se tenir à disposition des musées nationaux pendant 10 ans dans l'éventualité d'un emploi et exercer souvent comme bénévole. Je cite ici un article d'Aurélie Perrin qui s'est particulièrement intéressée à la place des femmes dans les institutions muséales au début du XXe siècle. À la Bibliothèque d'art et d'archéologie, plusieurs lectrices, je vous ai mis ici les images de leur notice Agora, avaient en effet ce statut d'attachée libre sans rémunération. C'est le cas de Marie-Juliette Ballot au musée du Louvre entre 1914 et 1926. Je vous encourage donc à aller consulter cette notice que l'on doit à Pascal Puigy et à Charles de Touché d'Armagnan. Et c'est également le cas de Jeanne Duportal, collaboratrice sur laquelle nous reviendrons, qui a été attachée libre à la bibliothèque de l'Institut. Ce statut n'était pas spécifique aux femmes. On trouve d'ailleurs des lecteurs masculins de la bibliothèque d'art et d'archéologie ayant été eux-mêmes attachés libres, comme Marcel Nicole ou Louis Demont. Mais si ce titre offre, il me semble, un contrepoint intéressant, il doit évidemment être distingué du statut de collaborateur à la bibliothèque Doucet, car il semblait être défini de façon bien plus claire et cadrée par des textes. On en revient donc ici à la question de l'emploi des moyens humains chez Doucet. Si le cadre de travail, on l'a vu au début, qui avait été fixé à René Jean était plutôt flexible, à combien plus forte raison celui des collaborateurs et collaboratrices plus ponctuels l'était-il donc aussi ?
Au terme de cette première partie, j'espère donc avoir montré à la fois l'importance de la figure du collaborateur à la bibliothèque d'art et d'archéologie et la polysémie de ce terme, et puis l'intérêt du cas de Louise de François Pignon qui témoigne bien finalement de la difficulté que nous avons à établir des catégories fixes pour faire sens des rôles pluriels et parfois évolutifs des personnes travaillant pour l'institution de Jacques Doucet. Mais jusqu'ici, les exemples étudiés concernaient exclusivement des collaborateurs masculins, et la deuxième partie de cette intervention sera consacrée aux collaboratrices de la bibliothèque. Dans cette institution, leur engagement, l'engagement de ces femmes pouvait être de plusieurs ordres. Il pouvait d'abord concerner le volet administratif. Pascal Cugy a ainsi étudié le cas de Madeleine Poudère, qui a travaillé comme secrétaire de Clément Jeannin au cabinet des estampes. Sa correspondance avec lui confirme qu'elle était attendue de façon assez régulière dans les locaux de la bibliothèque. Elle s'excuse ainsi plusieurs fois de ne pas pouvoir s'y rendre à cause de ses problèmes de santé. Toutefois, son rôle ne se limitait peut-être pas à la partie administrative, parce qu'elle évoquait une lettre du 28 juillet 1913, dans laquelle elle évoque une traduction qu'elle inclut à sa missive, qui pourrait indiquer qu'elle se chargeait aussi peut-être de traduction. Il me semblait intéressant d'évoquer le cas de Madeleine Poudère, car il s'agit de l'un des rares exemples permettant d'attester d'un contrat, tacite ou peut-être même explicite, entre une collaboratrice et un membre permanent du personnel de la bibliothèque. Mais je me concentrerai plutôt ici sur trois autres collaboratrices qui ont exercé des missions ayant plus directement trait à la recherche scientifique à la bibliothèque. Commençons d'abord par Marthe Dupré, la sœur de Madeleine, qui a également étudié Pascal. Elle a, elle aussi, travaillé auprès de Noël Clément Jeannin au cabinet des estampes modernes en réalisant des fiches, ce qu'indique un document du 31 décembre 1911. Ce cabinet est donc empreint d'une originalité particulière qui constitue pour les artistes et les critiques sa grande utilité. Ils y trouveront les uns des renseignements techniques et des sources d'émulation, les autres des sujets d'études, celles-ci rendues plus faciles par les fiches que Madame Dupré, entrée en fonction le 16 octobre, a déjà établies. On notera d'ailleurs que Marthe Dupré ne figure pas dans le registre des lecteurs et lectrices de la bibliothèque, alors que son travail devrait demander une certaine présence au sein de l'institution. Entre le 16 octobre, date de son recrutement, et le 31 décembre, date de ce document, elle avait déjà réalisé environ 2000 fiches, d'où l'importance de croiser les sources pour retrouver la trace de collaboratrice de la bibliothèque. J'en reviens à Jeanne Duportal, étudiante à l'École du Louvre, qui constitue un cas inverse, puisque elle apparaît beaucoup dans le registre des lecteurs, comme l'une des lectrices les plus assidues de la bibliothèque, avec 120 entrées entre 1910 et 1914. Comme l'a montré Pascal Cugy, elle a notamment été chargée par Albert Vuaflard de recopier pour lui un manuscrit. Et je termine enfin avec le cas de Kathleen Johnston, que j'ai moi-même étudié. Celle-ci commence à partir de 1912 des recherches sur l'iconographie des Dioscures sous la direction de Paul Perdrizet et étudie également à l'École du Louvre sous la direction du conservateur et archéologue Edmond Potier. Elle se rend près d'une centaine de fois à la Bibliothèque d'art et d'archéologie entre 1912 et 1913 et se voit confier quelques missions ponctuelles à la bibliothèque, classant, indexant et résumant des documents liés à l'archéologie. J'ai pris ici l'exemple des notes manuscrites d'Olivier Raillet, qui permettent de mieux comprendre sa façon de travailler. Donc, en partant d'un ensemble de papiers offerts par Salomon Reynac, toujours lui, Kathleen Johnston distingue 6 catégories de notes. Elle classe ensuite ces dernières dans un album précédé d'un index. Ainsi, en lieu et place de feuilles volantes, les lecteurs et lectrices de la bibliothèque peuvent consulter ce qui ressemble à un ouvrage paginé, ce qui est bien plus commode, évidemment. En confrontant ces cas, on peut d'ores et déjà souligner des permanences. Dans la nature du travail confié à ces femmes, d'abord, elle est souvent la même, puisqu'il s'agit de classer, d'indexer, de recopier. Et dans le profil des collaboratrices ensuite. Respectivement nées en 1883 et 1884, Marthe Dupré et Kathleen Johnston approchaient toutes les deux de la trentaine lorsqu'elles commencèrent à travailler pour la bibliothèque. Marthe Dupré n'avait pas de formation préalable, en tout cas à ce que je sache, et tandis que Kathleen Johnston était, nous l'avons vu, encore étudiante. Quant à Jeanne Duportal, née en 1866, elle était bien plus âgée, mais n'avait obtenu sa licence qu'en 1910, et elle était encore étudiante à l'École du Louvre entre 1914 et 1917. Ainsi, lorsque l'on compare le cas de Louise Pignon à celui d'autres collaborateurs de la BAA, il ne semble pas se distinguer immédiatement, mais c'est en analysant la situation au prisme du genre qu'il peut ensuite apparaître comme particulièrement remarquable au regard des tâches qui étaient le plus souvent confiées aux collaboratrices de la bibliothèque. J'ai déjà évoqué, et ça a été évoqué aussi avant moi, son statut de spécialiste reconnu. Je me focaliserai donc ici sur deux points, son agentivité dans la gestion du projet qui lui a été confié et sa visibilité.
L'évolution, l'évolution du projet du répertoire a été assez largement traitée durant cette séance. Je ne reviendrai pas dessus en détail, mais on a pu remarquer qu'à plusieurs moments, Louise Pignon a eu un rôle décisionnel fort qui a conduit à des évolutions majeures du projet. Elle pose ainsi des conditions dès le début. J'ai accepté cette tâche écrasante à une seule condition, c'est qu'il me serait permis de serrer les questions. Et elle fait ensuite évoluer l'entreprise dès qu'elle en pressent les limites. Je la cite, « Bientôt, cependant, il m'a paru qu'il serait à peu près vain de dresser une bibliographie générale de ce genre, mais en revanche, j'aperçus, et là on retombe sur la citation de Mathieu, j'aperçus que j'aurais rendu un signal et service si je pouvais guider jusqu'à la reproduction précise de telle page, de tel manuscrit, soit le spécialiste, soit le simple étudiant. » Parmi les exemples de collaboratrices que nous connaissons, elle est la seule à mener de cette façon-là son propre projet. Par ailleurs, si les collaborateurs de la Bibliothèque d'art et d'archéologie étaient régulièrement cités dans la presse de l'époque, ce n'était pas le lot des collaboratrices. Là encore, Louise Lefrançois Pignon constitue en ce sens une exception parmi les femmes travaillant pour l'institution de Doucet. Son répertoire iconographique est ainsi mentionné dans la presse et lui est clairement attribué. En janvier 1912, Claire l'a rappelé, et puis Mathieu, deux articles paraissent dans Gil Blas, puis la revue archéologique, pour évoquer son travail. Le 9 juin de la même année, Pignon est mentionné de façon peut-être plus succincte dans un autre article paru dans La Liberté, qui a également évoqué Mathieu, où elle est placée vraiment à égalité avec des collaborateurs travaillant sur d'autres projets importants de la bibliothèque, avec André Giraudy pour le dictionnaire des ébénistes ou Victor Golubev pour son projet de publication d'un grand ouvrage sur les arts de l'Asie. On peut ainsi se poser la question de la raison de cette mise en avant, même si, il faut le dire, sa visibilité reste évidemment limitée. La réponse la plus évidente a trait à la qualité de son travail pour le répertoire iconographique, susceptible d'intéresser de nombreux travailleurs et travailleuses potentiels. La seconde réponse est un corollaire de la première. Louise Pignon était connue et reconnue dans le milieu de l'histoire de l'art médiéval. Il semble donc que s'associer à elle était pour la bibliothèque une chance de gagner en visibilité. Et on voit beaucoup, quand on étudie la présence médiatique de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, ces stratégies pour gagner en visibilité dans la façon dont elle est présentée dans la presse. La question de la visibilité du travail des collaboratrices m'amène enfin à évoquer quelques changements qui se produisent après la donation de la bibliothèque à l'Université de Paris, donation qui devient officielle le 1er janvier 1918. À la suite de cette donation, son statut change drastiquement. D'institution privée, elle devient en effet une bibliothèque universitaire, ce qui induit deux choses principales pour les collaborateurs. D'une part, les dépenses de fonctionnement de la bibliothèque s'amenuisent. Doucet ne s'engage en effet à subvenir à ses besoins que pour une période très limitée. Donc, le nombre de projets menés par l'institution se réduit de façon importante, et avec lui, le nombre de personnes travaillant rue Spontini, puis rue Berryer au moment du déménagement. D'autre part, le système de recrutement est devenu plus strict et cadré. En témoigne d'ailleurs l'obligation pour Doucet de nommer un directeur universitaire, André Joubin, à la tête de la bibliothèque, qui ne peut plus être dirigée par René Jean, qui n'a pas les titres adéquats. On assiste ainsi à de profondes transformations dans le système de fonctionnement de la bibliothèque, qui s'accompagnent d'ailleurs d'un certain renouvellement, et notamment d'une nouvelle venue dans l'équipe de l'institution, Clotilde Brière-Mine. Comme l'a montré Jérôme Delatour, elle est la première femme à occuper de façon officielle un poste à responsabilité à la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Des articles de presse la mentionnent ainsi régulièrement à l'occasion de plaintes sur le fonctionnement de l'institution, devenue aux yeux de certains trop frugale. Donc, j'ai pensé à cet article de Claude Roger Marx en 1921. Dotée d'un crédit annuel de 100 000 francs, c'est merveille qu'elle, donc la bibliothèque, puisse vivre. Il faut pour cela l'abnégation et l'activité de M. Joubin, son directeur, et de Mlle Mime, sa secrétaire, assistée en tout et pour tout d'une dactylographe et d'un garçon de bureau dévoué. Je pensais aussi à cet article de Louis Pillard en 1926. Il faut beaucoup d'argent pour accueillir beaucoup de beaux livres, et il faudrait aussi plus de personnel afin que la bibliothèque puisse ouvrir également le matin. M. André Joubin n'a pour le seconder que deux collaboratrices et aussi un gardien. On travaille beaucoup rue Berryer, mais si peu de personnes suffisent-elles vraiment à la gestion d'un aussi important trésor, Mademoiselle Clotilde Mime, si renseignée sur la peinture hollandaise, n'a ménagé dans ses occupations de bibliothécaire ni son temps, ni sa peine. Mais la tâche devient toujours plus vaste et elle exige encore plus de monde autour du directeur de la bibliothèque. Plus généralement, les conférences de Clotilde Brière-Mime font partie des événements les plus relayés dans les articles de presse qui abordent la bibliothèque. Alors même s'ils ne concernent pas directement son engagement ou son sein, ils contribuent à rendre son travail de médiation de l'histoire de l'art visible au grand public et à affirmer son image comme l'une des employées les plus dynamiques de la bibliothèque. Et au-delà des articles de presse, je terminerai là-dessus, un autre organe de communication contribue à mettre en avant le travail des collaboratrices liées à la Bibliothèque d'art et d'archéologie et aussi à d'autres institutions fondées par Doucet.
Publié à partir de 1929, le bulletin de la Société des Amis de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, ou SABA, donne une place bien plus importante aux femmes qui, il faut le rappeler, n'écrivaient pas jusqu'ici d'articles de presse au sujet des entreprises de Doucet et n'y étaient pour ainsi dire pas mentionnées. Le deuxième numéro, paru en 1929, comporte ainsi deux articles écrits par Marie Dormoy, conservatrice à la bibliothèque littéraire de Jacques Doucet depuis 1924, et Jeanne Moussinac, que Doucet avait chargée d'un projet de bibliothèque cinématographique vers 1927. Clotilde Brière-Mime rédige également plusieurs textes sur la question de la photographie à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, qui paraissent dans le troisième, le quatrième numéro, ainsi que dans le sixième. Et c'est justement dans ce sixième numéro que Louise Lefrançois Pignon évoque en détail l'entreprise du répertoire iconographique. Je reviens au troisième numéro, publié en 1930, puisque celui-ci comporte une enquête sur l'activité de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie. Dans celle-ci, certains des principaux usagers et principales usagères disposent de quelques lignes pour évoquer les travaux personnels qu'ils ou elles préparent. Jeanne Cuenot ou Madame Lucien R, sur laquelle a travaillé Pascal, je vous encourage à aller consulter son billet sur le carnet de recherche du programme, présente ainsi le travail colossal qu'elle accomplit pour le répertoire d'art et d'archéologie qu'elle reprend en 1926. Nous en apprenons également plus sur les travaux des historiennes de l'art utilisant la bibliothèque, comme Marie-Louise Bataille, Mademoiselle Donce ou Jeanne Boucher-Lauquin. Et enfin, Louise Lefrançois Pignon évoque ses nombreuses entreprises, l'achèvement de son travail sur l'index de l'histoire de l'art pour les ouvrages d'André Michel, dont a parlé Mathieu, ses projets éditoriaux, ainsi que son travail sur la sculpture en France, de la mort de Saint-Louis à l'avènement de Charles V. À cette période, elle ne travaille plus depuis bien longtemps pour la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie. Son engagement semble s'être interrompu, comme l'a dit Claire, vers 1913-1914. Encore une fois, un certain flou subsiste. Mais cette présence au sein de l'enquête d'activité témoigne de son attachement profond à cette institution. Elle aura en tout cas marqué, je crois, l'histoire de la Bibliothèque Doucet en tant que collaboratrice singulière, dont l'engagement nous conduit notamment à nous questionner sur l'emploi des moyens humains rue Spontini et sur la place donnée aux femmes à cette époque dans le milieu de l'histoire de l'art et de l'archéologie. J'espère que cette communication aura contribué à éclairer un peu ces questions et aussi à mettre en valeur le précieux travail des personnes qui ont étudié le fonctionnement de la bibliothèque, ainsi que ses acteurs et actrices, Élodie Bertrand bien sûr, mais aussi les membres présents et passés de notre programme de recherche à l'INH. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? On continue du coup. Je reprends ma petite. Merci du coup pour cette intervention. Au-delà du fait qu'il témoigne du coup que l'activité de Louise Pillon au sein de la BA témoigne des modalités comme ça de fonctionnement humain de la bibliothèque, le répertoire d'iconographie chrétienne de l'Occident témoigne aussi, je pense, d'une grande générosité et d'une volonté de la part de Louise Lefrançois Pillon de rendre les informations accessibles et exploitables, qui est en fait une volonté qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Ainsi, aux côtés d'un grand nombre d'articles publiés dans des revues d'histoire de l'art, la mise à disposition d'outils de référence pour ses pairs jalonne sa production scientifique. En 1929, comme on l'a déjà plusieurs fois maintenant évoqué, elle est donc celle qui constitue l'index de l'important histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, qui a été dirigé par André Michel, tandis que les monographies qu'elle publie à partir de 1921 s'apparentent notamment à d'importantes synthèses faisant la somme de l'état de l'art sur un sujet précis. Aux côtés de cette production académique et scientifique exigeante, les autres publications de Louise Lefrançois Pillon rendent compte d'un réel souci de vulgarisation. À partir de 1936, elle publie ainsi une dizaine de calendriers beaux-arts à destination d'un public non initié. Elle rédige de même de nombreux ouvrages à visée davantage pédagogique, par exemple « Les cathédrales de France présentées à la jeunesse française » paru chez Amiot Dumont en 1950 ou « Abbaye et cathédrales » en 1956 dans la collection « Je sais, je crois » de Fayard. En outre, Louise Lefrançois Pillon enseigne. Comme je l'ai dit plus tôt, elle propose dès sa thèse obtenue des cours d'histoire de l'art à l'intention des jeunes filles, et elle va poursuivre cette mission d'enseignement tout au long de sa vie. Son discours de réception à l'Académie de Rouen porte ainsi sur l'enseignement de l'histoire de l'art, qui est en fait un plaidoyer non seulement pour la discipline scientifique en tant que telle, mais surtout pour la nécessité de la rendre accessible au plus grand nombre en assumant une mission réelle d'éducation et de démocratisation du savoir.
Cette certitude se traduit alors dans les communications qu'elle prononce au cours de nombreuses conférences en France et à l'étranger, qui sont malheureusement rarement conservées, et à Amiens dans l'organisation régulière des conférences de littérature et d'histoire avec son époux. Louise Lefrançois Pillon est ainsi indéniablement une historienne de l'art à l'œuvre prolifique. Sa bibliographie comprend ainsi 107 références publiées entre 1896 et 1957 et reconnues. Elle reçoit au cours de sa carrière pas moins de 7 prix académiques et elle est élue membre de 2 sociétés savantes, l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen et celle d'Amiens. Cette œuvre, toutefois, ne s'accompagne d'aucune affiliation institutionnelle et ou officielle. Louise Lefrançois Pillon ne deviendra jamais enseignante à l'université et ne sera jamais conservatrice en musée, alors même qu'elle a passé et réussi en 1910 un examen qui lui permettait de prétendre à une telle position. Elle n'obtient une forme de reconnaissance officielle qu'en 1958, à l'âge vénérable de 87 ans. Je vous ai mis une petite photographie qui ne lui rend pas tout à fait hommage. En étant nommée chevalier de la Légion d'honneur. Cette récompense apparaît donc non seulement tardive, mais aussi bien maigre pour une historienne de l'art qui, en 1921, siégeait au premier rang du congrès d'histoire de l'art de la Sorbonne en compagnie d'Adolfo Venturi, de Raymond Cochelin et de Pierre Gusman. On peut dès lors s'interroger sur les facteurs qui ont empêché ou du moins conditionné cette postérité. Et pour ce faire, je vais donc maintenant laisser la parole à Charlotte Fouché-Zarmagnon. Merci beaucoup, merci Claire. Bon, alors, on sait un peu plus que 2 ou 3 choses maintenant sur Louise Pillon. Donc, j'espère ne pas répéter ce que mes camarades ont fait et apporter un petit peu aussi de choses sur son parcours. Je vais commencer par une citation d'elle. « Je suis femme et je ne pourrai oublier que dirais-je cette qualité, dirais-je ce défaut. En tout cas, cet état civil n'est pas pour faciliter ordinairement l'entrée des cénacles littéraires ou archéologiques. Je pouvais me rappeler qu'une autre société savante de province, des plus illustres, n'avait consenti à m'admettre, et parmi ses membres non-résidents, que contre l'engagement au moins tacite de ne jamais tenter d'assister aux séances. » Ces paroles extraites d'un discours que Louise Lefrançois Pillon déclama en 1919 au moment de sa réception à l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen est lucide sur les barrages contre lesquels des femmes ont dû s'armer pour conquérir une place et une légitimité en histoire de l'art. Son discours montre au passage plus largement une discipline, histoire de l'art, encore en quête d'un label institutionnel. Louise Pillon préfère parler de cénacle littéraire ou archéologique et on la double volontiers du titre de critique d'art pour signifier son statut. Cette citation pourrait être mise en écho avec la photographie que vous connaissez maintenant très bien, qui la représente 2 ans après, en 1921, au Congrès international d'histoire de l'art de la Sorbonne, alors qu'elle se trouve cernée par une masse d'hommes. Louise Pillon est assise au premier rang, entourée à gauche par Raymond Cochelin, spécialiste d'art asiatique, Pierre Gusman, historien de l'art antique et spécialiste de gravure, et à droite, l'Italien Adolfo Venturi, qui joua, on le sait grâce aux travaux de Maria Minini, un rôle essentiel pour la formation des femmes dans les milieux italiens de l'histoire de l'art au tout début du XXe siècle. Ce cliché dit assez bien la gouvernance masculine qui domine l'histoire de l'art des premières décennies du XXe siècle et que quelques femmes ont pourtant essayé de bousculer afin de se faire un nom. Alors j'en ai mis quelques-unes parce qu'on voit apparaître quand même quelques femmes tout à droite du cliché. Dans la section par exemple où communique et écrit ensuite Louise Pillon dans les actes du Congrès, c'est la section enseignement muséographie, on retrouve des Américaines qui vont intervenir plutôt sur la question de la démocratisation des musées, enfin en tout cas l'accessibilité des musées au jeune public notamment. Et puis on a dans d'autres sections, je vous ai mis les noms en bas, d'autres historiennes de l'art qui interviennent de manière plus conventionnelle sur des artistes ou sur une œuvre. Ce qu'il faut relever peut-être, c'est que Louise Pillon est la seule française dans ce panorama féminin.
Avec pas moins d'une quarantaine d'ouvrages et d'articles écrits et publiés pendant près de 50 ans dans des revues artistiques de premier plan, donc Louise Pillon a été l'une de ces femmes qui a essayé de se faire un nom. L'intervention que je propose ici s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un mémoire inédit d'habilitation à diriger des recherches que j'ai choisi de consacrer à ce très vaste, peut-être trop vaste sujet, des historiennes de l'art en France allant du XVIIIe siècle aux années 1970. Et dans ce vaste périmètre, Louise Pillon, évidemment, représente une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui, on va le voir, est somme toute plutôt représentative de la place réservée aux femmes en histoire de l'art durant la première moitié du XXe siècle. Dans les années précédant son entrée en histoire de l'art, Louise Pillon écrit notamment entre 1899 et 1902, sous le pseudonyme de Françoise Dubaigle, des textes pour le féminisme chrétien, une revue au féminisme catholique et patriote fondée par Marie Maugeret et Marie Duclos. Louise Pillon rejoint là sa contemporaine, Clotilde Mime, qu'on a déjà citée, une autre personne gravitant donc autour de la bibliothèque, qui avant de choisir la voie de l'histoire de l'art, écrit aussi dans les années 1910 pour une revue féministe, La Française, une revue fondée en 1906 par sa mère Jeanne Mime, au féminisme plutôt réformiste et progressiste, en tout cas beaucoup plus radical que le féminisme chrétien. Clotilde Mime, elle, va plutôt livrer des textes de compte-rendu de salon, d'exposition où les femmes artistes vont être partie prenante. Donc c'est plutôt la teneur de ces textes, alors que Louise Pillon, elle, va plutôt livrer des textes littéraires. Et je me suis amusée à la BNF, dont vous voyez ce joli cliché issu du microforme de la BN, je me suis amusée à survoler un petit peu les premiers textes de Louise Pillon, et il mériterait en fait une étude très approfondie que j'ai pas eu le temps de faire, notamment pour le caractère autobiographique qu'ils peuvent contenir. On retrouve dans ces premiers textes des personnages de femmes orphelines, célibataires, qui vont aussi accorder beaucoup d'importance à la transmission. On va voir que c'est quelque chose d'important pour elle. Par exemple, Mademoiselle Claire dans Âme d'apôtre et cœur de femme est une enseignante, une jeune enseignante qui enseigne le catéchisme à de jeunes garçons. Et puis on retrouve aussi cette articulation entre Paris-Province qui aussi irrigue le parcours de Louise Pillon. Enfin, ce que je vais retenir de ces premiers textes est peut-être surtout la double, voire triple dimension qu'ils portent en eux et qu'on va retrouver dans tout le parcours de Louise Pillon, qui est cette dimension à la fois religieuse, féministe et patriote de son parcours, hein, qui est donc qui commence d'abord, on va dire, pour l'histoire de l'art, par une formation à l'école du Louvre. Alors, pour aborder cette présence d'abord discrète puis massive des femmes au sein de l'école du Louvre, fondée donc en 1882, je m'appuierai sur les travaux de Maria Minini, que j'ai cité tout à l'heure, et plus récemment évidemment de Philippe Duré. Avant de voir apparaître les premières diplômées de l'école du Louvre, on retrouve les femmes dès la création de l'école dans les rangs des auditrices et des élèves, et en premier lieu en archéologie. Elles sont par exemple au nombre de 12 sur 89 inscriptions à assister au cours d'Alexandre Bertrand, 3 à celui de l'égyptologue Eugène Révilloux, 6 pour Eugène Ledrin et 10 pour Paul Piret. La première femme qui passe avec succès l'examen de troisième année du cours d'histoire de la peinture est d'origine franco-roumaine. Marie Bangesco est âgée de 43 ans quand elle passe l'examen sans pour autant s'inscrire professionnellement dans la discipline. Elle est suivie 5 ans plus tard d'une demoiselle d'Épérou, spécialiste d'épigraphie orientale, mais dont on perd ensuite totalement la trace. Donc on voit déjà avec ses premiers noms le cas assez intéressant et plutôt différent de Louise Pillon, qui fait des études à l'école du Louvre, mais va quand même faire toute sa carrière en histoire de l'art. En 1901, c'est à une Suissesse, Louise Pachould, que revient le titre de première diplômée de l'école du Louvre grâce à un mémoire de recherche approfondi. Donc c'est une sorte de petite thèse menée sous la direction de Georges Lafenestre et portant sur l'influence de Schongauer et Dürer sur les artistes suisses peintres et graveurs du tournant du XVIe siècle. Son retour en Suisse et son mariage avec un pasteur conduit certainement Louise Pachould à réorienter ses aspirations professionnelles et l'amène à mettre à profit ses études au service d'un cours d'histoire de l'art au collège de Villamont à Lausanne.
Alors, si ces quelques noms nous permettent de mieux comprendre dans quel contexte Louis Pillon intègre l'école du Louvre, ils montrent également d'emblée que l'école du Louvre, dès sa création, ne ferme pas ses portes ni aux femmes, ni aux étrangers et aux étrangères. On peut là faire un parallèle avec l'école des Beaux-Arts de Paris, qui, jusqu'en 1897, ferme ses portes aux femmes. À la fin de l'année 1904, la soutenance publique de thèse, enfin de mémoire approfondie de Louis Pillon à l'école du Louvre, a valeur d'un véritable événement dans la presse, d'un événement féministe. Relayé par des articles et brèves parus indifféremment en novembre 1904 dans Le Rappel, La Presse, Le Petit Caporal, Le Figaro, La Petite République, certains sont titrés de manière symbolique « une doctoresse SR, une thèse de femme », promouvant ainsi Louis Pillon comme la première femme diplômée de l'école, alors que pourtant, nous l'avons vu, il s'agit en réalité de Louise Paschuld. Toutefois, si Louise Pillon n'est pas la première doctoreuse de l'école, elle en est néanmoins la première française. Et c'est peut-être ce détail nationaliste qui l'érige à ce statut et s'intègre plus largement à un phénomène qui voit dans ses premières décennies du XXe siècle l'accession des femmes à des professions dites de prestige, comme celle relevant de la médecine, la première docteure, date de 1870, du droit, 1890, et même des sciences physiques. C'est Marie Curie, première docteure, en 1903, ainsi qu'a pu l'examiner, là je m'appuie évidemment sur le travail de Juliette Rennes. Marie Curie est à un an près contemporaine donc de Louise Pillon. Il faut en revanche attendre 1914 pour qu'une femme obtienne le grade de docteur ès lettres de l'université, qui est donc Jeanne Duportal qu'on a citée tout à l'heure. Alors Jeanne Duportal est docteur ès lettres, mais elle ne livre pas véritablement une thèse en littérature. Elle va plutôt livrer une thèse d'histoire de l'art, si on peut dire, et même d'histoire du livre et de l'illustration, puisque c'est sur le thème des gravures illustrées qu'elle va soutenir sa thèse. Là encore, c'est un événement relayé dans la presse aussi. Les portails de la Calande et des libraires de la cathédrale de Rouen, tel est le titre donc du mémoire approfondi, mené sous la direction d'André Michel et soutenu par Louis Pillon en 1904 devant un jury présidé par Théophile Homol, un travail qui lui vaut son diplôme avec la mention suprême, très bien avec éloge. Ce serait à la suite des conseils d'un bibliothécaire rouennais que la jeune femme se serait attaquée à ce sujet des petites sculptures ornant les bas-reliefs des pieds droits des portes du transept de la cathédrale de Rouen et que jusqu'alors personne n'avait regardé de près. Ce sujet, Louise Pillon le soumet donc à André Michel. Si le mémoire de Louise Pillon n'a malheureusement pas été déposé à la bibliothèque de l'école du Louvre, ce qui aurait pu permettre une lecture comparée entre le mémoire soutenu et la publication, il est dans un premier temps disponible sous forme d'extrait grâce à des articles qui sont rapidement publiés, puisque le premier date d'avant la soutenance, dans des revues d'importance. Alors les revues, c'est important aussi pour l'histoire de l'art parce que ce sont les premières preuves tangibles de la discipline avant que la discipline n'arrive dans les institutions et ne s'institutionnalise. On retrouve évidemment la Gazette des Beaux-Arts qui est fondée en 1859 et pour l'avoir dépouillée dans ses premières années, je peux vous dire que Louise Pillon est l'une des premières françaises à y publier. Également la Revue d'art ancien et moderne, fondée en 1897 où elle est la deuxième femme à y publier. L'entrée dans ces revues, c'est une hypothèse que je propose ici, a peut-être été facilitée par des figures d'autorité comme André Michel, fervent défenseur en France d'une histoire de l'art pensée comme un champ de connaissances autonome, collaborateur régulier de la Gazette des Beaux-Arts et qui fut un soutien pour plusieurs de ses élèves, notamment des femmes. Dans une causerie artistique parue dans le journal des débats politiques et littéraires en 1912, André Michel défend les travaux de plusieurs femmes, dont ceux de son élève Louise Pillon, qui selon lui, je le cite, a pris une place notable parmi les bons historiens de notre art français. C'est d'ailleurs vers André Michel que Louise Pillon se tourne pour l'écriture de la préface présentant sa thèse remaniée, mise à jour dans une version approfondie et publiée en 1907, aux éditions Picard sous le titre donc Les portails latéraux de la cathédrale de Rouen. Ce choix de figure tutélaire que représente pour elle André Michel n'est pas anodin.
Il résonne comme un sésame, une garantie pour elle, en défendant l'ouvrage de la médiéviste comme étant purement et simplement un livre d'histoire de l'art. André Michel sanctionne par sa présence, son nom, l'intégration de Louise Pillon dans la respectable communauté des historiens de l'art, et j'utilise le masculin à dessein puisque c'est celui qui est d'usage à l'époque, hein, le masculin résonne avec le prestige d'une profession. Je cite André Michel dans la préface. Il ne s'agit pas ici d'un travail d'amateur ou d'éloge de complaisance, mais d'une contribution originale et importante à l'histoire et à l'étude iconographique de la cathédrale de Rouen. Je ne saurais donner à Mademoiselle Pillon de meilleures preuves d'estime scientifique qu'en disant qu'elle paraît digne de mener à bien une pareille œuvre. On trouve en effet dans le mémoire qu'elle soumet aujourd'hui au public toutes les qualités requises pour faire non seulement un iconographe ingénieux et avisé, mais aussi un bon archéologue et un utile historien de l'art. Dépouillement méthodique et critique de tous les documents, manuscrits ou imprimés, étude directe à pied d'œuvre du monument lui-même, aptitude à le regarder, à le déchiffrer comme pour la première fois, connaissance des monuments similaires dont la confrontation peut aider à le situer dans sa série historique, perspicacité à rapprocher les textes des images, sensibilité artistique qui, contrôlée par une discipline sévère, féconde l'analyse critique. Mademoiselle Louise Pillon n'est pas peut-être la première femme qui se soit montrée capable de ses vertus professionnelles, mais dès ses débuts, elle a pris rang avec honneur parmi celles qui s'y sont distinguées. Et c'est pour son professeur et ami une joie véritable de lui souhaiter la bienvenue dans la corporation. Dépouillement documentaire, travail in situ devant les œuvres, introduction de comparaison, analyse croisée des textes et des images, l'ensemble de ces aspects énoncés par André Michel fonde la pratique d'histoire de l'art de Louise Pillon, qui est à la fois empirique, formaliste et historique. Dans sa nécrologie, Paul Roy relèvera d'elle ce grand souci du détail qu'elle avait, et ce jusqu'à un âge très avancé. Je l'ai vu puiser aux multiples sources, se rendre à Paris ou en province dès qu'une exposition devait apprendre un nouvel enrichissement à ses connaissances, puis quand la maladie la cloua chez elle, poursuivre une abondante correspondance, dépouiller les revues et les livres, les annotant avec précision, les jugeant et au besoin prenant la plume pour rectifier la moindre erreur. Censeur sévère, mais toujours pertinent. La manière de valoriser son travail est par ailleurs extrêmement important pour elle. Cependant, on peut noter qu'elle choisit d'entretenir, il me semble, des liens ambivalents avec l'institution. À une époque où l'histoire de l'art en France cherche encore sa validité, si on la compare à d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Italie, où elle est plus solidement implantée, la voie institutionnelle demeure la voie privilégiée pour se professionnaliser. Louise Pillon l'a bien compris, elle qui se forme à l'école du Louvre, publie dans des revues scientifiques, participe aux sociétés savantes et aux congrès internationaux et archéologiques. La bibliothèque d'art et d'archéologie peut également s'envisager dans ce cadre comme une autre institution, même si elle y collabore provisoirement et n'y est pas rattachée de manière statutaire et définitive. En même temps, contrairement à d'autres femmes comme Marie-Juliette Ballot au Louvre, Elisa Maillard au musée de Cluny, Denise Jalabert au musée des monuments français, Clotilde Mime à la bibliothèque d'art et d'archéologie, Louise Pillon ne fait pas carrière au musée ou en bibliothèque. Elle semble œuvrer plus librement, sans être statutairement rattachée à une institution fixe. Son mariage avec l'avocat au barreau d'Amiens, Fernand Lefrançois, en 1913, en est peut-être l'explication, même si cette union qui l'a conduit à s'établir à Amiens ne l'empêche pas pour autant de venir régulièrement à Paris. Le 8 avril 1921, son nom fait encore partie des noms d'élèves de l'école du Louvre donnés pour dispenser des visites conférences, sans qu'on la retrouve pour autant parmi les nombreuses conférencières de musée. Une chose également intéressante qui mérite d'être pointée et qui témoigne de sa relative liberté à l'égard de certains lieux importants de l'histoire de l'art en France est qu'elle n'est à aucun moment de sa vie membre de la Société de l'histoire de l'art français, alors que quelques femmes y siègent, une certaine Madame Alphène Salvador dès 1909, suivie de Jeanne Duportal et Marie-Juliette Ballot, dont les noms figurent en 1918-1919. Louise Pillon choisit plutôt de déployer ses forces dans d'autres directions et qui, cumulées ensemble, lui permettent d'asseoir une légitimité et d'être reconnue par ses pairs en parvenant à contourner certains canaux, quand cela est encore possible, notamment ceux strictement parisiens et muséaux. Dans le sillage de sa soutenance de thèse, on retrouve son nom comme enseignante d'un cours d'histoire de l'art qu'elle dispense aux femmes entre Paris, Rouen et Amiens.
Pour le volet parisien, du moins, cet enseignement dispensé à l'Institut Rudy entre 1904 et 1912 consiste en deux cours, un cours global en 20 leçons et un autre plus de spécialité. Il s'accompagne de visites dans les musées, Trocadéro, Cluny, Louvre et dans les monuments, l'abbaye de Saint-Denis, Fontainebleau, Versailles, et sont conduites à la manière de leçons promenades. C'est d'ailleurs, si l'on en croit la nécrologie de Paul Roy, cette activité d'enseignante auprès d'un public féminin qui l'amène à rencontrer Fernand Lefrançois en 1913. Cet avocat, futur époux de Louise Pillon, est connu pour être le fondateur des conférences de littérature et d'histoire d'Amiens et a créé un cycle de conférences spécifiques pour dames et jeunes filles, où Louise Pillon est alors invitée à parler deux fois. Outre une activité lucrative, qu'elle choisit par nécessité, il faut rappeler que Louise Pillon est orpheline de mère en 1894, avant de perdre son père en 1909. L'enseignement, loin d'être une activité subalterne, s'inscrit pour elle au cœur même de sa pratique. C'est sur ce sujet précis de l'enseignement de l'histoire de l'art et sur le rôle qu'il peut avoir dans une formation intellectuelle et morale que Louise Lefrançois Pillon décide de consacrer son discours de réception. Et encore, qu'en 1949, elle éprouve le besoin de rédiger un ouvrage sur les cathédrales de France pour un lectorat jeune. L'enseignement génère aussi une autre forme d'histoire de l'art, plus orale, mondaine, accessible, qui étend le périmètre de la discipline à des formes moins canoniques et consacrées, comme celles relevant de l'enseignement universitaire et des publications écrites. Et dans cette capacité à vulgariser, c'est-à-dire non pas à simplifier ou à réduire des idées, mais plutôt à traduire la pensée savante et à créer une autre voie d'accès au savoir, les femmes prennent là toute leur place et leur part. Signalons à ce sujet l'article que la romancière Danielle Le Sueur, qui voit l'histoire de l'art comme étant particulièrement accessible à l'esprit féminin, je la cite, qui pourrait y exceller. L'art de la pédagogie et de la transmission, la sensibilité esthétique, l'élégance et encore le bon goût sont mobilisés dans cet article pour convaincre les lectrices de Femina, un magazine luxueux au féminisme bourgeois et mondain, de la capacité des femmes à devenir historiennes d'art, c'est-à-dire en vérité surtout des enseignantes de la discipline. Je cite Danielle Le Sueur. Au point où nous en sommes arrivés de l'éducation des jeunes filles dans l'immense extension de leurs études en tout genre, remarquons un domaine où sévit encore l'ancien préjugé, où s'étale un paradoxe que j'appellerai le paradoxe masculin. Croiriez-vous que dans les lycées de filles, comme dans les cours indépendants où elles fréquentent, partout où l'instruction leur est donnée de plus en plus exclusivement par des femmes diplômées, agrégées, pourvues de tous les grades, une seule chaire demeure intraitablement l'apanage des hommes, celle de l'histoire de l'art. On songe également un an plus tard au cours professé en 1911 par Léon Rosenthal à l'École normale supérieure des jeunes filles, c'est-à-dire à destination de futures institutrices, et qui demande que l'histoire de l'art soit intégrée au programme scolaire. Le titre de son cours, ensuite publié, est intéressant dans la distinction qu'il opère entre histoire de l'art et culture esthétique, car c'est bien de ce côté-là que sont attendues les femmes. La culture esthétique serait cette inculcation du bon goût qui rayonnerait du décor intérieur aux vêtements que ces femmes et leurs familles portent. Il importe pour ces futures institutrices de construire un enseignement visuel et pratique, reposant autant sur la valorisation du dessin chez les jeunes filles que sur la puissance de l'image et sa capacité à rendre concrètes et parlantes les considérations les plus abstraites. Les femmes sont attendues précisément là, dans ce travail d'édulcoration du discours savant, et s'affirment par ailleurs comme des maillons essentiels de cette chaîne de transmission purement féminine et qu'incarneront peu de temps après, dans les années 1920, la population très féminisée des conférencières de musées. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Aurélie Perrin et d'Arnaud Trochet. Revenons à Louise Pillon. Au moment où elle épouse Fernand Lefrançois en 1913, elle vient d'achever pour la Bibliothèque d'art et d'archéologie, donc l'établissement d'un répertoire des travaux sur l'iconographie chrétienne en Occident. Alors, comme j'interviens après ces très riches communications, il est inutile à mon sens de revenir sur les circonstances et la nature de l'objet que représente ce répertoire. Je préfère pour ma part tenter d'en proposer une lecture à l'échelle des pratiques qui sont légion en histoire de l'art, et en particulier des pratiques intellectuelles et professionnelles qui concernent beaucoup de femmes actives pendant cet entre-deux-guerres et que l'on retrouve souvent mobilisées pour élaborer des inventaires, des répertoires, écrire des guides de musées et accompagner les publics.
C'est également vers des femmes que les organismes de musées se tournent pour établir des répertoires. Jeanne Lejeau réalise en 1930, à la demande de l'Office international de coopération intellectuelle, un répertoire des musées français. Et c'est, je cite, « une préface signée Julien Lucher qui nous apprend que cette utile compilation est due à Mademoiselle Jeanne Lejeau. Grâce lui soit rendue, mais pourquoi son nom ne figure-t-il pas sur le titre ?» s'interroge Salomon Rénac. Denise Jalabert est sollicitée, elle, pour la réalisation en 1923 d'un répertoire des catalogues des musées de province commandé par le Conseil de l'Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France. Comme Louis Pillon, Denise Jalabert effectue un travail de synthèse, explorant méthodiquement non seulement les bibliothèques publiques de Paris, mais encore les séries réunies par divers érudits ou collectionneurs. Pensons également à Clotilde Mime, qui, dans le cadre de son travail au sein de la photothèque et du cabinet des estampes de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, de 1918 à 1939, accomplit plusieurs missions empiriques de collecte, d'archivistique et d'inventaire. C'est elle qui tient le carnet d'adresses de la bibliothèque, les registres d'inventaire et de catalogue de vente. Elle est par exemple la secrétaire de rédaction en 1920 du répertoire d'art et d'archéologie, une œuvre qui sera poursuivie aussi par une autre femme, donc Jeanne Queneau. Correspondante française de la Frick Art Library de New York à partir de 1920, Clotilde Mime se fait aider de 5 anciennes élèves de l'école du Louvre et de 2 bibliothécaires bénévoles pour trier, classer, ficher pas moins de 130 000 épreuves photographiques acquises par Jacques Doucet. Enfin, comment ne pas songer à l'exemple aujourd'hui mieux connu, bon, qui nous extrait du périmètre français, de Gertrude Bing au sein de la bibliothèque de l'Institut Warburg. Collaboratrice étroite d'Abby Warburg dans les années les plus décisives de sa carrière, Gertrude Bing, on le sait désormais, co-créa avec lui la première mouture de l'Atlas Mnémosyne et fut l'instigatrice d'un index très élaboré permettant aux lectrices et aux lecteurs d'arpenter l'œuvre complète de l'intellectuel allemand. Rédiger des catalogues, écrire des inventaires, compiler des index constituent par leur côté systématique, méthodique et répétitif des travaux auxiliaires et au ras du sol qui furent longtemps confiés à des femmes, mais qui sont autant nécessaires pour l'avancée d'une discipline que chronophages pour celles et ceux qui les produisent. En 1929, alors qu'elle publie la table générale pour la somme d'André Michel en 17 volumes, hein, l'histoire de l'art, depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, Louise Pillon assimile dès les premières lignes de son introduction, que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment très instructif, la rédaction d'un index qu'elle assimile donc, je la cite, à une besogne ingrate et complexe, nécessitant un travail acharné. Car la compilation d'un index, il faut le redire, exige une grande familiarité avec le sujet auquel il se réfère et qui, tout en offrant une taxonomie pour son objet d'étude, annonce des pistes nouvelles pour des recherches futures. Le volume est précédé d'un avant-propos et d'une note facilitant la consultation de l'index qui se révèle très instructif pour comprendre son mode de fonctionnement. On sent à la lecture de ces textes liminaires l'expérience de quelqu'un qui sait organiser et faciliter les recherches des autres en proposant un système de références multiples propice à générer les recoupements. Pour cet index d'ensemble, Louis Pillon établit près de 60 000 fiches, aboutissant à un travail d'envergure qui sera unanimement salué par ses pairs, notamment l'historien d'art Salomon Rénac, qui le qualifie, je cite, de tout bonnement admirable, l'équivalent d'un dictionnaire détaillé de l'art et des artistes. Ces 372 pages à 3 colonnes mériteraient un grand prix de bibliographie et, j'ose dire aussi, un prix de vertu. Je terminerai là par la leçon que Louise Pillon dispense en introduction au jeune lectorat, qui est la cible de son ouvrage de 1949, Les cathédrales de France présentées à la jeunesse française, et qui me paraît riche d'enseignements sur sa manière de concevoir le travail intellectuel et le sacerdoce qu'il peut engendrer, un peu à la manière de la construction d'une cathédrale. On retrouve l'ambition d'un projet, la dimension collective, l'importance de garder des valeurs morales comme la modestie. Je cite Pillon, mais pour vous, enfants ou jeunes, elles ont, donc les cathédrales, ont des leçons bien plus précises. À vous qui entrez dans la vie, elles réservent des modèles incomparables de formation et d'action. À l'école de ceux qui les ont bâtis, vous apprendrez la valeur d'un travail courageux, persévérant, modeste, d'une discipline consentie et fidèlement observée. Vous ne croirez pas savoir sans avoir appris, pouvoir vous passer des autres et vous suffire à vous-même.
Vous apprendrez que le travail le plus humble, et là j'ai pensé à l'index, celui de dégrossir une pierre, peut avoir une valeur immense s'il entre dans une œuvre commune et est inspiré par un grand idéal. Ainsi, du travail accompli par le dernier des manœuvres dans un chantier de cathédrale, et que, au contraire, il ne sert à rien de nourrir dans son esprit les plus sublimes pensées si on ne les met pas en action. Naviguant à l'intérieur d'une gamme élargie de savoir qui va du plus érudit au plus accessible et condensé, Louis Spillon est parvenu à se faire un nom dans le domaine précis de l'art religieux médiéval. Et je vous montre ici sa dernière parution qui montre à la page donc, du même auteur l'ensemble des livres épuisés. Certains ont été réédités, donc épuisés, et ce dernier ouvrage a été traduit en espagnol et en portugais. Dans ce domaine de l'art religieux médiéval, elle a reçu les louanges les plus grandes, même si certaines d'entre elles n'étaient pas exemptes de commentaires stéréotypés. De la cathédrale d'Amiens, que Louise Lefrançois Pillon publie en 1937, Marcel Aubert reconnaît, je cite, un volume écrit avec le charme et la science qui sont la marque des livres de l'auteur. On retient aussi de l'historienne de l'art les études archéologiques sur l'art du Moyen-Âge, qui sont d'une pénétration et d'une sensibilité si délicates. Et parmi elles, son ouvrage sur les sculpteurs du XIIIe siècle, qualifié par un journaliste du temps d'attachante étude. Si à la limite ce commentaire peut s'entendre au regard d'un livre qui défend la vulgarisation, on est en revanche plus sceptique devant la réaction de l'historien de l'art et archéologue René Crozet au sujet de la thèse publiée par sa collègue Denise Jalabert sur la flore sculptée des monuments du Moyen-Âge en France et qui, en 1967, n'a plus vraiment à faire ses preuves. Hein. Jalabert va faire toute sa carrière et finit par publier sa thèse qui obtient quand même un prix du CNRS et un prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1966. Mais le commentaire est intéressant. Donc, si Mademoiselle Jalabert est très à l'aise dans le monde séduisant des formes végétales, elle l'est beaucoup moins dans celui plus austère des disciplines historiques. Cette remarque révèle en creux une certaine complémentarité des territoires qui pourrait être lue en termes de genre. Aux hommes, l'histoire, l'architecture peut-être, aux femmes, la décoration, pourrait-on avancer. Mais je terminerai là sans véritablement trancher la question, en glissant ces quelques images de couverture d'Elisa Maillard, donc ce sont des ouvrages évidemment contemporains du moment où Louise Pillon est active, de Denis Jalabert, donc sur la flore sculptée gothique, de Cécile Géglot sur l'iconographie des figures féminines catholiques, et aussi donc de Louise Pillon, dont les travaux sur les décors sculptés de cathédrales marquent un intérêt notable pour l'ornement, la plastique des formes et des styles. J'invite enfin à une extrême prudence au sujet d'une lecture qui n'est que partielle du sujet, puisqu'elle ne s'intéresse volontairement qu'aux femmes et qui bénéficierait de comparaisons plus poussées avec les travaux et pratiques contemporaines des hommes à la même époque. C'est peut-être là un bon point de départ pour entamer nos échanges et ouvrir la discussion. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle qui peuvent porter à la fois sur l'intervention qu'on vient juste d'écouter et pour toutes les autres interventions, si entre-temps des remarques vous sont venues à l'esprit ? Merci beaucoup. Bravo à tous. C'était non seulement extrêmement coordonné, mais très agréable dans la diversité des points de vue et la cohérence du sujet. Donc, ce que je ne peux que regretter et ensuite tellement désolé, c'est le peu d'appétence que les Français manifestent envers l'historiographie. Donc on est encore avec le même problème, mais nous avons tous raison d'insister encore et encore et encore et d'adosser ça à une magnifique bibliothèque et son histoire et au travail des femmes. Donc cette convergence me convainc, encore merci vraiment de vos interventions, qu'il faut une publication rapide sur le sujet, et tous ensemble, parce que l'harmonie était parfaite, y compris le contre-champ, merci beaucoup Jessica, nord-américain, et nous l'avions déjà vu avec le colloque Looking Across the Atlantic, les échanges extrêmement fructueux qu'il y a entre la France et la côte est américaine. Et donc, encore un beau sujet à prolonger. Merci beaucoup. Bravo à tous. Alors, c'est à mon tour de vous remercier. Moi, comme on l'a répété plusieurs fois, je suis seulement l'héritière de quelque chose qui a été organisé et lancé par ma prédécesseure,
Pascale Cugy. Et donc, je vous remercie toutes d'avoir fait honneur à un projet lancé. Et je remercie Mathieu au milieu d'une tendance d'être quand même, de porter un témoignage extrêmement positif de la collaboration entre les genres. Et surtout, je me réjouis d'avoir vraiment collaboré avec vous pour la préparation de cette séance. Et je dois remercier aussi les moyens techniques d'AlienHA et tout le personnel du service des manifestations qui, on ne le voit pas, mais ils sont là présents pour nous permettre ces échanges. Et vu qu'il y a un petit comité, on peut nous remercier nous-mêmes de notre travail et poursuivre nos échanges devant un verre de vin, peut-être.